グリフェンダー真実を求めるもの、グリフェンダー情熱と誠実さで Twitch で彼の情熱と愛を共有する、より良くなるためにスポーツをしていつも動き続ける、漫画とゲーム彼の献身的な愛、しかし彼の心の中には疑いと苦しみがあり、自身の手帳と常に戦っている、本当知恵見つけるのが難しい時もあるが、希望の光が輝き友達が彼を立ち上がらせる、 oh, oh, oh. 大きな心を持つ英雄、人々を結びつける無限の探求、輝く謎を解き明かす、グリフェンダー一緒に宇宙の謎を解き明かそう、グリフェンダー一緒に宇宙謎、グリフェンダー一緒に宇宙の謎を解き明かそう、グリフェンダー一緒に宇宙の謎を解き明かそう。Et bonsoir tout le monde. J'espère que ça va. Bonsoir Pierre et bonsoir Raph. J'espère que ça va. Bah écoutez, ça va plutôt bien, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui parce que j'avais pas grand chose à faire si ce n'est aller à la salle de sport. Et je vais devoir bientôt changer de salle de sport, donc ça me saoule un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Du coup ce soir, petit live d'Ophus. Étant donné qu'on sera pas nombreux, on va se faire vraiment un live très détente. On va faire des petites quêtes et on va surtout me faire XP. Et pourquoi ? Bah tout simplement parce que comme je vis dans une ville pas spécialement, on va dire, grande et développée, les salles de sport sont pas très nombreuses, et le fitness park auquel je vais, c'est littéralement 30 minutes aller, 30 minutes retour en transport, étant donné que j'ai pas de voiture. Et bah ça m'embête. Hello Quentin, hello Bristo, comment ça va ? Mais du coup, en fait, l'avantage, c'est que si vous voulez, c'est qu'il y en a une à 5 minutes à pied de chez moi. Le truc, c'est qu'elle est pas top, mais disons qu'il y a juste ce qu'il faut techniquement pour moi. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a un sauna. Ça, c'est pas non négligeable, il y a un petit sauna. Et ça met plutôt bien. Et du coup, ce soir, voilà, on va faire un peu d'XP, on va pas trop avancer dans les donjons, peut-être en fonction de refaire. Et d'ailleurs, Quentin et Pierre... Je vais sans doute vous demander une petite astuce de rat. Étant donné que j'ai certaines quêtes où il faut refaire des donjons, pourquoi pas les refaire, mais avec un de vos persos over level. Comme ça, voilà, on va plus vite. Allez, on s'amuse bien. On y va très vite. J'ai enfin fait la nuke sur Wantoder, je suis trop content. Oui, mais j'ai vu ça. J'ai vu ton message. J'ai vu ton message. Bon, par contre, les mecs, autant vous dire, là, je suis en grande hype Dragon Quest. Parce que ça fait partie de mes licences préférées. Et le 14 novembre, date très importante que vous devez retenir, parce que c'est mon anniversaire, il y a le remake de Dragon Quest 3 qui sort et je suis trop content. Et sachez d'ailleurs que ça fera partie des grands marathons. De cette chaîne Twitch. En vrai, dans les grands marathons de jeu, là on est en train de faire Kingdom Hearts. Il y aura Pokémon, forcément, parce que c'est les deux que je voulais faire le plus. Il y aura les Dragon Quest, donc autant vous dire que les Dragon Quest, je les ferai surtout quand les remakes du 1 et du 2 seront sortis aussi. Donc ça viendra plus tard, donc ça va, j'ai le temps. Parce que comme ça, en fait, j'ai envie de les faire d'un ordre chronologique, même si c'est pas tout à fait des jeux qui suivent. Mais comme ça, on fera du 1 jusqu'au 11, sauf le 10. Malheureusement, puisque on peut essayer le 10, mais en soi Dragon Quest 10 n'existe pas, malheureusement. Et il y a quoi d'autre ? Parce qu'en soi, il y a les Prof Layton, mais le problème de Prof Layton, c'est que j'aurais trop de mal à passer après Antoine Daniel, donc on va voir. Les Mario et Luigi aussi, comme c'est des RPG, ça m'intéresse bien. Et il y en a un qui sort au mois de novembre, d'ailleurs ce sera mon cadeau d'anniversaire. Voilà.
Et après, ce sera sans doute des licences que je connais pas. Type Assassin's Creed, God of War. Mais voilà, on verra en temps et en heure. Et sur ce, je vous propose qu'on commence. Je vous propose qu'on commence. Donc, si vous voulez, Pierre et Quentin, on peut se retrouver dans. Dans, et bien tout simplement le. Et ben le serveur. Hop, je vais me mettre sur vocal 1. Et ben voilà, impeccable. Allô ? Ouais. Comment ça va ? Comment ça ? Et ben ça va bien. J'étais obligé de couper le son du live parce que ça m'aurait trigger. Ah bah oui, hein, ça va te faire. Un tour de double. Ça va faire déjà que un Alexis, c'est chiant, mais alors deux. Non, c'est deux. C'est me réentendre moi une deuxième fois, non ? Ah non, mais je pense qu'on est pareil. Genre, je supporte pas d'entendre ma voix. Non. Là, en ce moment, quand je fais du montage et que je fais mes petits clips pour TikTok, des fois je suis en mode oh putain. Ah non, moi c'est juste m'entendre en décalé parce que j'ai toujours un retour son dans mon casque, donc c'est ok. Ah, moi c'est vraiment ma voix. Laisse le stream, je me mets aussi sur mon portable, comme ça je t'écoute trois fois. Oh, bah. Oh, ça c'est un vrai viewer. Et bonsoir Tao, comment ça va? On s'en fout, mais non, on s'en fout pas. Trois fois plus de bonheur, oh ça fait plaisir. Ah, attendez. Mais écoute, ça va. Je suis trop hypé Tao pour Dragon Quest là, le remake. Mec, vraiment. Tu sais que ça m'a. En plus Tao, j'ai vu une vidéo qui est assez connue qui a percé sur Dragon Quest 9. Il y a pas longtemps, ça m'a trop rappelé quand on se l'était fait ensemble et en vrai c'était tellement bien. Ça marche. Alors par contre, ah. Alors ça marche. Le truc étant, c'est que la même. Ah non mais mec, ça va être. Ça va être incroyable. En plus, j'ai vu quand même quelques petites news. Je dis rien si jamais tu veux pas te faire, si vous voulez pas vous faire spoil, donc j'ai rien dire. Mais j'ai vu quelques petites news par rapport au jeu et vraiment, je suis hypé à donf. Parce que Dragon Quest, c'est trop, 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 trop bien. Ouais, t'es où dans tes quêtes ? Du coup, parce que j'ai pas tout suivi, par contre. Bah en gros les 4 tours du monde j'y touche pas trop parce que c'est les trucs où il faut ensemble. Mais en fait déjà t'en as plein. En fait si tu veux déjà il y en a plein style Amakna où c'est en fait fou d'aller chercher de la merde ou des trucs que je peux pas drop. Genre par exemple viande avariée, je peux pas l'avoir la viande avariée. Et bonsoir et Pierre. Faut augmenter le chasseur ouais. Ouais c'est ça en fait, faut augmenter le chasseur. Alors attends, je vais essayer d'augmenter le son de Pierre. Vous allez bien? Bah ça va et toi? Bien toi? Ça va, ça va. Chasseur, t'as deux façons de le monter déjà. Bah chasseur, c'est pas ouais. Genre t'équipes un couteau et tu tues des gens. En fait, t'as la façon classique de tu farm en dehors de l'achat, tu farm et sinon t'as possibilité d'avoir 15 parchemins par jour. Ouais. Qui est du coup cette quête là. Et en vrai, c'est rentable d'acheter les viandes et de récupérer les parchemins. Ah d'accord. Et tu le fais tous les jours et en fait tu montes ton métier chasseur comme ça. Et en vrai, tu vas monter assez vite sur les 30-40 premiers niveaux. Ah ok. Quoi, et c'est la quête qui est au château d'Amakna, une map en bas et deux à droite par rapport aux apps. C'est en gros, c'est une des journalières pour les dragons d'Inde. Mais ouais, en fait c'est ça, c'est qu'en fait si sur Royaume d'Amakna, j'en ai plein qu'en soit... Déjà j'en ai trois qui je crois en fait me demandent de refaire... Parce que en fait, ouais, c'est sa quête de donjon, donc j'en ai trois en fait où il faut que je refasse des donjons. En soi elle est pas difficile, c'est juste que ça me casse les couilles parce qu'en fait... à chaque fois que je... Bah déjà en fait tout seul, les monstres de la plage sont quand même un peu trop forts pour moi. Notamment parce que t'as un coquillage 100% résiste eau. Donc en fait je peux rien lui faire. Je peux rappeler genre vraiment j'ai beau essayer de taper avec des sorts terre. C'est trop la chiant. La moule non? Ouais la moule c'est ça, la moule elle est trop chiante. Et en fait la poudre d'étoile j'arrive pas en... Genre à chaque fois que je tape une étoile elle me la drop pas. Donc je suis en mode bah ta mère. Et en fait c'est ça, c'est que... Et si là ce que je faisais... je faisais la quête des Bourques et des Gobelins. Mais là donc t'en as un qui me demande d'entrer dans un donjon, donc celui-là je peux pas le faire. Il y en a une, c'est découvrir distillerie, je sais pas où elle est. Ah, celui du donjon tu pourrais pas le faire Bah tout seul.
Ah, le donjon est pas dur. Si tu veux tous les succès, oui, c'est chiant, mais le donjon est pas dur. Ouais, mais je sais pas. J'ai aussi celle-là. Et il est pas dans le tour de monde si jamais. Avoir 97 putains de bière là. Qu'est-ce que j'ai Lui, il me demande des ailes. Donc, c'est parce qu'en gros, elle, autant les trucs de Scarafeuille, je sais comment facilement les avoir. Elle en bois, je sais pas. Bah, clique dessus. Alors, les ailes de Scarafeuille et tout, c'est chacune des ailes que tu vas drop. Ouais. Et les ailes en bois, c'est un craft. Ouais, tu fais recette et puis comme ça, tu peux voir. Ok. Soit tu craft, soit tu peux l'acheter en soi. Oh, c'est bon, alors si je peux acheter, bon, ça va se finir assez facilement. Viens au château d'Amakna. Zap château d'Amakna. Ouais. Oh, la petite musique Dragon Quest en fond. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est gentil ça, merci. Non, mais t'es avec toi. Ah oui, d'accord. J'étais en mode comment ça, t'es Omega 112. Bah, t'es où d'ailleurs? Oh, mais c'est un foreur, c'est Junior ta monture. Ouais, j'ai globalement tous les familiers du jeu et tous les montiers du jeu. Alors, t'as tous les succès? Non, je n'ai pas tous les succès, je me suis pas fait chier à faire ça. C'est ça. Ah, ça met bien ça. Ouais. Alors, par contre, je sais pas, j'enlève quoi comme anneau? Le guerrier Albueran, en soi le carotte, parce que carotte, j'ai que deux trucs de panoplie. Albueran. Le carotte, ce qu'il faut que t'enlèves. Ouais, l'Albueran, t'en as trois, il te donne le PA. Ouais, c'est ça. J'ai vu que t'as bien pex quand même, t'es déjà niveau 70, c'est pas mal. Mais je suis content parce qu'en fait, je voulais atteindre le niveau 70 pour avoir le niveau 2 de Nimbus. Et du coup, ce qui fait qu'en un tour, quand je tape deux Nimbus, je suis content parce que je retire à peu près du 200. Et souvent, mon plan de jeu, souvent. C'est je pose mon glyphe haut dans une belle zone, je tape Nimbus, et en fait souvent je fais de gros dégâts. Et puis je suis content parce que mine de rien j'ai eu rempart niveau 2, et putain rempart niveau 2, ça m'est trop bien. Ouais mais c'est trop fort. Ah c'est trop fort. Ouais. Genre vraiment, il y a plein de quêtes ou plein de farms, quand je les faisais tout solo avant, j'ai galéré. Là littéralement je suis en mode, vas-y c'est chaud, rempart, intouchable. C'est une des meilleures classes pour faire les quêtes solo, c'est quoi je pense. Après, j'ai beaucoup hésité à me dire, vas-y, est-ce que par hasard, plus tard dans le jeu, je me ferais pas une petite panoplie terre au cas où parce que j'ai remarqué que mine de rien, les trucs de terre avaient l'air pas mal. Mais vas-y, hein, pour l'instant, flemme. Pour moi, tu fais un focus, y a pas de souci, et tu verras plus tard. En vrai, tu vas expé assez vite, donc c'est un peu des camas dépensés pour rien. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Alors, je vais pas mettre des 1000 et des 100 pour mes stuff, moi aussi, bas level 1. Non mais c'est ça, mais là du coup dans mes quêtes qu'est-ce que j'ai? Bah en fait j'aimerais bien finir 2-3 trucs chez les Bworks, donc là je dois tuer en un seul combat 3 Bworks mages, donc si on est plusieurs à la limite ça va être plus simple parce que y a des... enfin, souvent les gros groupes je vais pas les taper, donc là on va pouvoir, donc c'est cool. Et alors du coup comment ça marche tes parchemins? Tu donnes les viandes invariées. Alors les viandes invariées c'est bon, et les parchemins de chasseurs j'ai juste à double cliquer? Le mieux, c'est que tu le mets dans la barre de tâches en bas, là. Enfin, dans la barre... dans tes cases, là. Non, en dessous, t'as tes points de vita, tu vois. À droite, t'as des cases. Attends, pas du tout. Je vois pas sur mon stream. Attends, quoi? Comment je pourrais dire? Des emplacements, en gros, là où il y a tes sorts, normalement, de base. Hein? T'as des trucs, en gros, Le mieux, c'est... Voilà, tu le mets là, et en gros, t'as raccourci, normalement, c'est censé être le 1. Clique dessus. Et là je spam. Ouais, tu spam 1 pour prendre tous les parchemins. Ou alors tu double cliques, mais bon, c'est bon quoi. Hop là. Alors, je suis niveau 21 chasseur, très bien. Où est-ce que tu es, Pierre? On va se créer un petit groupe. Ouais, bah après tu peux directement aller dans social et inviter. Aussi. Ah bah voilà. Hop là, let's go. Avec le fameux Bristol niveau 89. Ouais, c'est ça. En vrai, let's go faire. En vrai, les quêtes ce soir que j'aimerais bien faire. Ouais, c'est ça.
Celle-là, parce qu'en soi, c'est taper des mobs, donc ça va aller assez vite. Attends, j'ai enlevé celle que j'ai chez les Bourg aussi. Mais en vrai, du coup, ouais, t'as une sur les rives de Sufokia, c'est taper des étoiles de mer, j'aimerais bien la faire. Les trois qui demandent de faire des donjons, en vrai, j'aimerais bien les faire aussi. Tu demandes direct de faire les donjons? Bah je crois parce que c'est écrit. En fait non, c'est aller voir gentil organisateur Quaber. C'est en fait aller voir quelqu'un. Mais en fait je crois que quand tu parles à la personne, ça me propose rien à part faire le donjon. C'est à Macna, non, que t'as pris cette quête? Oui, c'est ça. Dans une sorte de taverne. C'est ouais, une sorte d'atelier, je sais plus quoi. Enfin c'est une sorte d'atelier. Rappelle où c'est, Bristo? Atelier des forgerons d'Amagna. C'est ça. Si vous avez une question, de toute façon, faut poser la question à Bristo. En plus, j'ai vu que j'étais mute juste avant. En gros, je voulais te dire, l'astuce pour ta quête là que tu viens de faire pour les parchemins, tu les achètes par 100. Et en vrai, dans tous les cas, ce sera rentable en termes d'XP parce que tu vas XP d'abord ton métier chasseur. Mm-hmm. Et par la suite, juste faire cette quête et revendre les parchemins, c'est rentable. Ah ouais? Parce que la quête te donne genre 4000 kamas. Et les parchemins valent plus cher en quantité de kama que ce que coûtent les viandes en général. C'est vrai, pas mal. Oui, effectivement. Oui, parce que du coup, j'ai pareil. Là, j'ai... Ah non, ça, c'est bricoleur comme parchemin. Ouais. Parce que pareil, j'en ai une là, c'est de ramener une dragodin de mon soi. Donc, je sais pas, pareil, ramener... Ça, tu fais pas. Ça, tu t'en fous vraiment. Bah, le truc, c'est que... Si tu l'as passé. Comment? Elle va rester, mais... Ah, ok. Mais du coup, ouais. En vrai, dans les quêtes, t'as celle-là, les trois donjons. Chez les Bwork... Bah t'en as une pareil à l'académie. Ça c'est trouver ça doit pas être très compliqué. Trouver la distillerie, faut juste que je trouve où c'est. Ça c'est facile, on peut la faire rapidement, c'est taper des mobs. Tu peux me montrer vite fait tes succès. Hop. Tu veux voir lesquels? Et tu vas dans... Alors moi ce que je veux voir c'est succès, quête, quête principale. Voir où t'en es. Ouais, en fait il y a des trucs que je veux voir. D'incarnat mais assez vite, manque quoi. Oh! Il est pas allé reparler à Rasrock, je pense. Ouais, ça, ok. Ah bah merde. Tu peux fermer. Alors attendez. Dino Plume, merci. Alors Dino Plume, déjà merci beaucoup. Sache une chose, Dino Plume. La dernière fois, sur mon stream, tu es arrivé et quelqu'un t'a insulté parce que pour ton pseudo. Ouais. Je ne suis en aucun cas responsable de ça. Parce qu'à aucun moment, jamais de ma vie, je me serais permis de faire ça. Et ça m'a bien cassé les pieds. Donc, merci beaucoup d'être revenu. Ok, donc d'incarner Mastrub, c'est bon, on va te la finir 2 secondes, vite fait. Parler à... J'ai pu faire un peu de succès. Ok. Ah, au secours. Et après, le succès du dessous, c'est... Mais où sont les dessous? Du coup, ça t'a pas commencé? Non. Ok, ça quand t'auras du temps, faudra le commencer. Ouais. C'est super important parce qu'en fait ça te débloque trop de quêtes dans le jeu. Ouais, c'est trop bien. Et dont les quêtes des Dofus. Ah. Tu peux pas faire les Dofus sans ce succès-là. Ok, très bien. Bon. Et J'aime bien le titre en plus, c'est stylé, chercheur de Dofus, je trouve que c'est stylé. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Mais où sont du coup, juste faudra que tu le fasses quand t'as du temps, quand t'as envie de faire vraiment que des quêtes. C'est beaucoup de quêtes solo avec beaucoup de combats solo. Bah en soi, ça me va parce que comme de toute façon je suis un peu à la traîne parce que j'ai pas de boost d'XP souvent. Je me prends quand même un peu de temps histoire d'XP en solo, histoire d'eux. Parce que sinon je galère. Ouais, je comprends bien. Je galère à mort. Et du coup voilà. Et en gros ce qu'il faut que tu fasses par contre c'est la quête d'accès à Pandala, donc je sais pas si t'as accès à Pandala. Si Pandala, si, j'ai même le zap. Ok, donc c'est bon. Non, bah du coup, c'est bon. Et bah après, tu peux lancer globalement n'importe quel. Bah à la limite, on peut pas terminer le truc. On peut pas terminer ça là. Parler à quelqu'un. Là, s'il suffit juste de parler à quelqu'un, ça doit être réglé, non? Ouais, faut aller à Strub. Va à Strub. C'est dans, tu sais, là où tu prenais toutes les quêtes en haut à gauche du zap. En gros, c'est là où était le petit dragon quand t'as été l'amener avant au... le cimetière. Tour du conseil. C'est ouais, ça. C'est ça. Bah Ratosk, c'est le petit dragon. Tiens, d'ailleurs... Ah, ok, d'ailleurs, je vais juste vite... Il donne un petit focus, donc... Oh, bah tranquille. J'ai combien en banque? Parce que mine de rien, j'ai pas mal vendu. Normalement, quand tu te connectes, ça te dit... Ouais, 70 000, grosso modo, ça va, peu mieux faire. C'est déjà pas mal, en vrai, pour un début. Mais en fait, c'est surtout que j'ai 70 000 plus quasiment 350 000 perso, donc en soi, je me dis ça va. Alors, on va parler au petit dragon.
que je ne sais pas où il est là. Prendre de ses nouvelles. Comment vas-tu, petit dragon? Je vais bien. Ah, super! C'est le destin des mortels. Ah, super! Savoir ce qu'il entend par là. Non, mais sans façon. Demander de qui il parle, je ne comprends pas. Ok. Ok. Eh ben merci! Mais attends, mais je l'ai déjà ce Dofus. Dofus argenté. Ouais. Je l'ai déjà le Dofus argenté. Je te l'avais peut-être donné. On peut pas. Ah! On peut pas mettre deux fois le Dofus argenté. Non. Ah, c'est ballot ça! C'est ballot parce que pour le coup, je l'aime bien. Il me sauve pas mal de temps en temps. Pourquoi ce Volcorn là que t'as? Je crois que je vais filer un Volcorn, mais c'est un Volcorn de merde. Ah! Parce qu'en gros, je fais un élevage Volcorn et. Comment on fait déjà? C'est D. D. Ouais. Je rappelle, il s'appelle Tao. Va dans effet pour voir ce qu'il fait. Est-ce que je les ai pas en tête, les Volcorn? C'est pas le truc que j'utilise le plus. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça, quoi. C'est son PA, c'est pas mal. Ce pour un premier, c'est pas mal. Oui, en vrai, il a pas besoin des critiques, mais en vrai, c'est pas mal. Hop. En fait, c'est le meilleur truc que j'avais. Les autres trucs, c'était pas fou. Ouais, mais c'est très bien. Ça, c'est fait. Vous voulez faire quoi aller à la plage ou aller chez les Bouarcs? Moi, je te suis. Si même t'as besoin de faire quoi, on peut aller faire ton quoi de con. Bah, en vrai. Oh, let's go. Let's go à Suffocia, là. J'essaie d'avoir ces 10 poudres de con de cul, là. Ok, bah je vais te demander juste de téléporter au donjon forgeron alors. Alors, wow. Est-ce que j'y vais? Parce que j'ai pas de kama du tout sur le yop et j'ai oublié de mettre des kamas dans mon avosac. Merci, ne t'inquiète pas, j'avais un peu mal pris, mais c'est ok. Non, mais en vrai, je préfère m'excuser quand même parce que. Surtout que là où j'avais le seum, c'est Tarif tout content, message dans le chat, comment tu vas et tout. Oh, pseudo de merde. Et le lendemain, je vais voir, je fais. Putain, il s'est unfollow. Je l'avais. Moi, je me souviens très bien de la discussion qu'on a eue ensemble en plus. Ah, mais non, bah oui, bah voilà, oui, tu te souviens. Donc, j'avais le seum. Je me suis dit, mais le mec, il a rien demandé, il se fait aggro. Il avait pas le prendre mal, il disait pas ça pour être méchant. Oui, mais... non, c'est sûr qu'il disait pas ça pour être méchant. Mais, c'est juste que c'est malvenu de base, quoi. C'est ça, en fait, mais je peux comprendre tout à fait que quand tu connais personne, t'arrives, tu débarques et tout d'un coup. Surtout que tu peux faire l'amalgame, tu peux dire ah, d'accord, il y a un de ses potes qui est comme ça, donc peut-être que le groupe il est comme ça, donc on rigole bien, tu vois, c'est beaucoup d'humour noir, etc. Mais voilà, évidemment. Évidemment que c'est le genre de choses on se permet pas de penser ou de dire. Let's go. C'est le merde que tu dois faire du coup. Ouais, c'est ça, sauf que souvent, ce qui se passait, c'était des... Alors là, tu vois, l'énorme groupe où ils sont 40 000. Il y a beaucoup de moumoules là. Ouais, non, moi... Bouboule. Ouais, moi, c'est que les étoiles. Les crabes, j'ai tout ce qu'il faut. Les crabes, j'ai tout ce qu'il faut. Là, si tu veux, t'as un petit groupe que même moi, je peux me faire en 12-22, si tu veux. Non, mais prends des gros groupes, t'inquiète. Ouais, en vrai, gros groupe, ça ira mieux. On aura plus de chances de drop si... Oui, c'est vrai. Parce que je sais pas combien j'en ai. Dites-moi aussi dans le chat si la musique de Dragon Quest, la musique que j'ai mis en fond, vous l'entendez bien ou pas assez. N'hésitez pas. Non, c'est dans ressources. Non, c'est là. C'est peut-être dans. Tu es sur quel serveur? Je suis sur Draconyros. Donc, si jamais tu es dessus ou que tu veux nous rejoindre. Ouais, ça peut être pas mal. J'y pensais pour ton stream. Je sais qu'il y en a beaucoup quand ils stream sur Dofus. C'est en gros, ils mettent avant le nom du stream, ils mettent entre parenthèses leur serveur. Ah, c'est pas bête ça. C'est ça que je pensais. Je sais que moi, quand je veux regarder un peu du Dofus, j'essaye de regarder vite fait ceux qui mettent Draco direct. Comme ça, ils sont sur mon serveur, tu vois. Ah, c'est pas bête ça. Oui, bonne astuce. Je trouve pas. Elle est où cette poudre de cul là? Ça doit être dans tes objets de quête, je pense. Ou alors c'est que t'en as pas drop. Si, voilà. Non, c'est un objet de quête. J'en ai un. Pas ouais. Assez perso, je suis level 200. Mais. Justement, tu es largement. J'ai tous les persos 200, mais c'est parfait. Comme ça veut dire que tu peux très facilement venir me donner 1 million de kamas, tout ton stuff. Moi, ça me va très bien.
Merde, vous avez lancé le bas. Et ce serait quoi ta classe préférée du coup, Plume? Ou Dino? Ou Dino Plume? On est à droite. Ou Plume Zap, Dino. Si je vais t'appeler Henri. Je vais t'appeler Henri. Je vais t'appeler Henri. Des groupes, des gros groupes avec beaucoup de d'étoiles. Mais... Oh mais ça ils sont pas. Le Feka. Ah. Place, là pour le coup Feka, je commençais un peu à perdre en foi. On m'avait bien vendu le Feka, je commençais un peu à perdre foi parce que je faisais pas grand chose. Là j'avoue que ça y est, je commence à faire des trucs sympas. Il me tacle. Et puis je commence mine de rien grâce à, avec des petits gens là, comme Dignus et Bristo. Je commence un peu mieux à comprendre comment le jeu fonctionne, donc c'est tout de suite plus agréable. Faut faire quoi là? Chaque combattant doit achever au moins. Ok. Bon, je vais taper toute la ligne qui était devant nous, donc. Aïe aïe aïe. Non, bah c'est pas grave. Pourquoi? Fallait pas que je fasse ça? Il avait déjà tapé tous les mobs qui étaient devant. Ah oh, bah écoute, au pire. Oui, c'est pas si grave. Je focus lui, hein, sinon. Il avait déjà été tapé aussi. Ah! Ah, d'accord, j'avais pas compris la quête, c'est moi. Dans tous les cas. Oui, de toute façon, c'était. Je pensais que c'était juste tué, je savais pas que c'est. Je pense, j'avais pas capté que c'était aussi tapé. Par contre, ma barre des sorts est doom sur mon yop. Quelle angoisse. Faut que je refasse tout. Putain, les moules de l'enfer. Elles m'ont cassé la tête. Bah attendez, tiens d'ailleurs je vais modifier le titre tout de suite en fait. C'est quoi, je mets quoi entre parenthèses Draco plus loin Dofus ou je mets Dofus Draco direct? Bah je sais que les gens ils mettent en gros entre guillemets, ils mettent direct avant le titre en fait, ils mettent Draco. Juste Draco DRACO. Ouais c'est ça. Le L100, je te conseille les bottes de classe sur le FK, c'est très fort. Je sais plus, elles font quoi du coup, comme il y a eu la refonte, je sais plus ce qu'elles font exactement. Ah, en gros, c'est le sort qui s'appelait Tension, qui est. J'ai pas le nouveau nom, mais. Ouais, qui est réduit d'un pair. Ouais, ça revient au même. C'est ça le plus important. Oui, c'est la même chose. Je crois que t'en as aussi un sort haut qui avait plus ligne de vue, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ça. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas les nouveaux noms donc. Oui. Ah ouais, si tu veux, les bottes de classe, en plus, je pourrais te les filer, hein, parce que je les ai, du coup. Oh bah, ouah, après, je vais essayer peut-être de me... Je vais peut-être essayer tout seul. Oui, après, j'imagine, je pense pas qu'elles doivent bien coûter trop cher. Hein. Elles donnent 1 PM et moins 1 PA sur Stratus et Valet. Ah, Valet, c'est ça. Et Stratus, je ne l'ai pas encore. Ouais, tout pareil, hein. Je connais tellement pas le nom des nouveaux sorts, c'est terrible. Putain, et ça, je sens que ça va me casser les pieds. Ça drop jamais ce truc. À moins quand. Bah non. Ah non, mais tranquille. Faut trouver un groupe en fait où il y a plein de. Ouais, mais à chaque fois, j'ai remarqué, c'est le mob sur cette plage où il y en a le moins. Genre, il y a quasiment jamais d'étoiles. Il y en a deux, mais bon, c'est un gros groupe aussi. Quoi. Ça va être beaucoup ça. Hein. Ouais, au pire, sinon, tant pis. Ce serait. Non, mais ça se fait tranquille. Hein. Oui, il y a juste à trouver. En vrai, ça se fait vite. Hein. Là, il y en a deux MDR, là, t'as un tout petit groupe. Mais si t'abandonnes sur ça, t'es pas prêt pour le reste des quêtes où il va falloir farmer des gros mobs. Oh, il a une tenue Pokémon. Je savais pas qu'il y avait une tenue qui s'obtient avec 200 d'abonnement. Oh! En plus, la zone est nulle à chier. Il n'y a pas de map sur cette map. Alors là, c'est Scarafeuille. Non, t'as un combat de quête ici, je crois, de mémoire. Là, c'est Scarafeuille et ensuite. Ouais. Ensuite, ça reprend. Je crois que c'est les blobs, non? Non, ça reprend après. En gros, tout le long de la plage, c'est ok. Là, il y a un groupe. Certes, c'est un gros groupe, mais il y a 3 étoiles. Ah ouais, putain, je l'avais pas vu. Non, en vrai, go, hein. Let's go, hein. Oula! Mets-toi en chal drop. Ouais. Ah ouais, t'es en XP.
tout en haut, tu mets... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah bah tiens, et parfait ça. Oh, c'est qu'il est bien ce challenge depuis qu'ils l'ont changé par contre. Ouais, carrément. Avant, il était pété de couilles. Avant, ça a cassé les couilles. Avant, on devait tous taper dans le même élément. Ah oui, ouais. Ah non, c'est chiant. C'est plus le cas. Ouais, heureusement qu'ils l'ont changé. Hein. Il y a aussi, oh bah dis donc. J'aime bien qu'ils l'ont changé, c'est Barbare. Barbare, avant, il était chiant. Oui, Barbare qui est plus simple à faire. Ouais. Enfin... Chaque tour utilisé... Moi, il me fait chier parce que... Il peut être chiant, oui, mais... Bah, en fait, le changement de Barbare, je le trouve horrible sur... la haute truche. Oui, bah oui, sur la haute truche, forcément. Sur la haute truche, il est relou de fou. Mais... Pour le reste, c'est... Après, ça va, parce que maintenant, c'est que HV. Oui. Donc, il y a le côté... Il y a le côté où... Tu peux quand même faire des trucs sans devoir utiliser ton cac, quoi. Ouais, et puis en fait, du coup... Tu sais, avant, le problème de la haute truche, c'est que quand tu tapais avec ton cac, tu passais pacifiste, ou elle devenait invue, je sais plus. Je crois qu'elle devenait invue. Elle devenait invue, parce que t'as un mob qui te met passy, et t'en as un autre qui te met... Enfin, impossibilité de taper avec les armes de corps à corps, je sais plus c'est quoi le nom de l'état. Le succès barbare est bien chiant. Hein. Et du coup, maintenant, c'est moins chiant, c'est plus long. Enfin, tu peux mettre du temps à le setup, mais ça peut se faire bien. Oh, la petite... Ah, je suis content. Ça suffit, je pense. Petite musique de Dragon Quest, là. Normalement, avec son cliff, ça devrait le faire. Ah. Je fais encore beaucoup de dégâts. Moi, j'étais parti du principe que le glyph tuerait, donc... Ah oui, ouais, je suis trop con. Bon. C'est pas grave, de toute façon... C'est du gain... De toute façon, je vais... C'est juste du gain de temps, au global. Parce que là, en soi, tu t'as plus besoin de taper le roll mob, t'as juste besoin de taper l'étoile des merdas. Ouais, oui, c'est vrai. Je viens de comprendre le jeu de mots quand t'as dit le nom du mob. L'étoile de merdas. Ouais, j'ai jamais compris. Ah, niveau 71, je gagne Typhon V2. Et t'en as droppé 3. Hein. Ah, 3. Ouais, la challenge aide. Hein. Ouais, la challenge. Il suffisait juste que tu mettes en mode pas XP, quoi. Ouais, mais j'aime bien l'XP. Or ça c'est un groupe de moules de cons, donc ça c'est mort. Et là je crois que c'est les gelés. Non c'est toujours pas les gelés. Mais après c'est gelé sur Arrest. Bah let's go. Demi-tour. Ouais. On va limite revenir aux zap. Hein. Oh, je vais remonter petit à petit parce que... Des fois t'as des gens qui tapent les groupes juste pour les... Ouais, c'est les archis donc... Je vais peut-être refaire un ocre en vrai. Je suis en train d'en refaire un. Ça se fait vite maintenant, je trouve. Ouais, bah j'ai pas encore bien capté le truc des trucs divins, justement. Donc... Bah, globalement, c'est juste. Maintenant, t'as des gens qui se mettent en groupe. Ouais, c'est j'ai capté. Ils cherchent ensemble. Quand on trouve un, en fait, celui qui a trouvé, il capture. Logique. Les autres rejoignent. Et en fait, tous les trois trucs divins, t'as un coffre en gros. Ah, c'est que les trois, putain, je croyais que c'était les 5 moi. Non, c'est au début c'était 6 et 12, et maintenant c'est 3 et 6. Ok, ouais, j'avoue, c'est bien. Là, il y a un groupe avec deux étoiles de merdas, mais. Ouais, la map est ok. Ah, oh, tiens. Ah, merde. C'est quoi ? Un peu cruel, mais. Oui, cruel, ça. Donc c'est là, vrai. C'est ok. Hop. Putain, ça c'est. Ça c'est bien stylé. Hein. Tu voudrais que je give DPA, Bristo ? Non. Non, okay. Non, je vais pas attendre de dégâts que ça. Je vais pas parchoter le perso, quoi. Je l'ai pas encore parchoté non plus. Ouais, tout pareil. Ah, moi, les mecs. Moi je le joue jamais. Ensuite, il y en a 4. Ça veut dire quoi par shot? En gros, quand t'es sur tes caractéristiques, en fait, tu peux mettre des parchemins comme t'as mis les parchemins de chasseur. Et en gros, ça te montre les caractéristiques jusqu'à 100 en fait. Tu peux avoir en gros 100 de chance, 100 d'intelligence, 100 de vita, 100 de sagesse en plus. Et ça tout le temps. Et c'est vraiment très fort quoi. C'est surtout de l'opti quoi. C'est des stats innées en gros.
Mmh. Rajouter. La honte. C'est comme si t'as... c'est comme si tu faisais des EV fixes sur Pokémon. Ah oui, là tout de suite. Là oui, je le vois. Moi, tu vois, j'ai pas compris, mais il a l'air d'avoir compris, donc nickel. Ah mais c'est que ça, mais c'est facile. Je parle avec un langage qu'il connaît, c'est ouais, tout. Ouais. Est-ce que je le touche? Putain, j'ai tellement de. Je suis même pas sûr entre EV et IV lequel tu peux monter toi-même. Les deux. Non, les EV, les IV, c'est des nats. C'est pour ça que t'as souvent. Ouais, ça, c'est. Bah, en gros, c'est plus des IV, mais comme si tu pouvais les modifier, tu vois. Mais ah, après, ils bougent plus jamais. Pour le coup, c'est merde. Ah. C'est okay. Pas comme les. Non, tu t'en fous. Tu peux taper, t'as pas le droit de tuer. C'est oui, tout. Oui, non, mais justement, donc autant. Ah, après, voilà. Le problème des parchemins, c'est que ça coûte cher, quoi. 800 000 par stat, non? Je crois plus, hein. Je crois pas, hein. Si tu le fais intelligemment, non? Voilà. Je sais pas, j'ai toujours fait 25 petits, un normal et 37 puissants. Oui, bah, c'est ce que je dis, tu le fais pas intelligemment. Ah, d'accord. Et toc! Donc, je suis con. Non, mais parce qu'en fait, t'as plusieurs façons de le faire. Déjà, tu peux check les consommables autres. Des oui, fois, ils sont vrai. Moins chers que le parcho. Et ensuite, faut juste faire le calcul à chaque fois entre puissant. En général, les grands sont toujours trop chers. Ouais, les grands sont chers. C'est pour ça que je faisais les puissants. Mais les normaux, des fois, sont à un prix correct. Ok. Et du coup, il te faut 25 puissants. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai compté une fois, et quand j'avais compté, c'était la meilleure façon, après, dans la stat et dans le moment où je l'ai fait. Oui, mais en gros, faut le faire à chaque fois. Ouais, faut le faire à chaque fois, sauf que bah, j'ai la flemme. Ouais, mais faites radin sur Dofus, comment ouais. Tu deviens riche? Bon, ouais, moi, je suis pas du tout radin, hein, vraiment. Je suis radin, mais je suis riche. Bah ouais, je suis pas super riche, mais ça va, ouais. Je me démerde. Après, bon, le groupe de deux, on le fait. De deux mobs. Ah bah là, si vous voulez, j'ai lancé un combat. Ah merde, j'avais pas vu. T'as deux étoiles. Va avec lui peut-être. Ouais, j'ai... Bon, normalement là, deux. Mais en vrai, j'arrive. Bon, attends, je vais attendre là. Je peux choisir les challenges ou si je fais choisir les challenges, ça lui ferme. Non. Tu peux pas. Je choisis pas. Ok. 9-22, qu'est-ce que c'est Ok. Je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. La signe désignée doit être tuée en premier. Premier. L'autre, on peut pas. Sur la map, on peut pas. Ok. Ah, le pavé pas pris. Ah ouais, le pavé pas pris, il est compliqué sur cette map. Hein. Ah bah, vous allez. Je crois qu'il est chiant à faire, je trouve. Mais... Je vous laisse. C'est que genre, j'ai toujours pas tous les challenges en tête. Hein, quand il, depuis ah, moi, c'est bon. Bon. Moi, les seuls que j'ai du mal, c'est les symboles sur certains, genre. Lesquels ça va être ceux où faut taper. Toi, tu dois finir toujours contre un mur ou alors tuer les ennemis contre un mur. Mm-hmm. Ceux-là, j'ai pas forcément les symboles en tête. Je les lis, je lis le nom, c'est bon, mais si je lis pas. Moi, je confonds pas vu, pas pris avec en ligne de mire, tu vois. Non, bah là, c'est pareil, c'est le symbole, il change un peu. Après, j'ai juste à lire aussi. Moi, Mystique me manque. C'est vrai que Mystique était bien. Mais juste qu'est-ce que je suis content qu'ils aient pas mis leur modif qu'ils avaient prévu. Mystique, il voulait faire quoi de base? C'est... Tu dois taper dans tous les éléments. Ouais, c'était ça le bail, ça aurait été trop chiant. Recrute oiseau du temps, 3/4. Ah, l'oiseau. Non, mais c'était vraiment bien. Oiseau du temps, un des pires mobs du jeu. Voilà, non, en vrai, ça va. Ouais, ça va. En fait cas, c'est easy quoi. Ouais, mais alors, moi j'ai pas toujours fait les strat auto-win. Hein. J'ai même souvent pas fait les strat auto-win. Hein. Ouais, mais moi non plus, t'inquiète. Hein. Ouais, bah non plus. Hein. Juste qu'en fait cas, c'est easy. J'ai un screen de. J'ai début de Draconeros. Oui! Tu fais pas les strats auto-win, tu joues pas Pandatank donc. Ok. Plus que deux. Après, Pandatank sur certains donjons, c'est pas c'est plutôt. Plus que deux. Plus que oui, ouais, mais bon, la plupart. Panda, c'est juste trop fort, juste le fait de pouvoir placer en fait. À partir de là. Oui! Bah. Putain, le combat de l'angoisse. Bon. Je t'ai pas eu 7 moumoules pour une étoile. Non, on va faire le groupe de 3. Ouais, vas-y. Il y a un groupe de 3 ou ça? 13-22. 13-22, tu m'as dit? Ouais. Oui. Demi-tour. C'était deux fois à ta droite. Ouais, c'est parti. Ah,
Alors... En fait, la dernière fois, Bristo, je te parlais d'un vortex, là. Ouais. Mais c'était un vortex hardy que je faisais. Ça va. Ça va, en vrai, on était bien. On l'a fait en deux tries. Genre, le premier try, on a un peu foiré. Merde, c'était quoi? Quelle chance, c'est que ton try vortex, il peut durer une heure et demie et tu le perds, quoi, mais... C'est ça, et bah, on a fait les trucs bien et tout. Et à la fin, toute fin, le... un yop avec nous qui se colle pas au vortex, j'avais envie de canner. Ça fait mal au cœur. Je pense qu'à à l'époque de l'ancien pendant un temps qu'il était plus simple. Mmh, oui, bah oui, il portait et tu faisais les bails quoi. Tu faisais ça avec un Sadie? Ouais, j'ai vu, ouais, c'était Sadie, Sadie Panda et une autre classe. Oui, Osef, le troisième c'était vraiment Osef, c'était histoire qu'il soit là pour dire que c'était un passage quoi. Ouais, c'est ça. Mais je me suis toujours refusé à faire des passages en vrai. Je trouve pas là. Je vois pas l'intérêt en fait. De... J'ai jamais fait passer, j'ai jamais payé de passeur. Le seul où je comprends que les gens puissent vouloir payer un passeur, c'est Protozora. Ah ouais? Parce que c'est pas un donjon qui est agréable à faire. Ouais, c'est vrai qu'il est. Moi ça va, il me dérange pas. Moi, tu joues hyper mage, ça va. Oui. Seul truc que j'ai passé moi aussi, c'était quand. Quand j'avais en fait assez de Kama pour mon stuff 200, j'avais fait du PL Chaloeil. Juste pour monter niveau 200 parce que j'avais la... Jamais PL. De... GG. Ouais, du coup j'ai juste eu un succès sur le Chaloeil, je sais même plus lequel c'est. Okay. Je crois que c'était les scores à l'époque. Donc là il me manque plus les... que 1. Plus que 1, ok. Les seuls persos à moi qui sont niveau 200 mais qui n'ont pas fait de succès en gros, c'est... Non, la de Moumoule c'est chiant. C'est des potions d'XP temporis, en fait. Et souvent, en plus, ils sont 199, parce que j'ai fait en sorte de pas avoir la potion 200. Je sais pas, en fait, ça me saoule, du coup, je... J'arrive pas, en fait, à faire les 20 derniers niveaux quand je m'en remonte à un perso. Ah ouais? Oh, pourtant, ça va si vite. En fait, tu fais pourpre turquoise, t'y es, tu vois. T'as déjà fini. Ouais. En faisant pourpre turquoise et... En plus, pourpre et turquoise, en général... Si t'as déjà tout ce qui est Dofusocre et tout. Oui, c'est easy. Bah, en fait, c'est des trucs où, en termes de petites stuff, c'est super facile à faire. Y a un joli groupe là. Mais... Ouais. Bon. Bah, en vrai, on voit la map, ok. La map, ok. C'est où ça? En 4-23. Mais comment t'es déjà là-bas, ouais? Je me téléporte à la vitesse de la lumière. Je suis un ninja de Konoha. J'ai besoin de crever, putain. Ah, la belle zone là. Vous aussi, vous étiez là pour envahir la zone 51, les mecs? On va faire collant. Attends, on se quitte plus, les mecs. Et bah, l'étoile a pris tarif, hein? Ouais, quand je crit, ça fait très mal comme j'ai le sac au chien. Faut vraiment que je me prenne ma volcorne. Mais je vais changer de stuff là, niveau 110, je vais passer haut aussi. J'ai déjà fait mon petit Dofus Book. Tu vas jouer pure haut ou t'aurais pu jouer au feu aussi? On est nu? Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais en plus... En fait, c'est juste que la panneau... Rat blanc est trop forte en fait. Et tu peux jouer en haut feu tranquille... Ouais, mais tu joues Rablan avec un Kikoular qui était tes god en fait. Mais je pense que je vais pas prendre la panneau Rablan, ouais. Enfin, j'ai deux items de panneau Rablan dans mon Dofus Book, mais sinon le reste j'ai des trucs à côté. Je te rassure, Tao, moi non plus je comprends rien. Moi je fais juste mes petits sorts d'eau. Moi je fais ma vie. Et puis basta. Oh, le grip suspicious, il est incroyable. Ouais. Ah, mais je suis encore abonné ici. Ah, le grip suspicious. Ah oui, oh non, mais, ouais. Mais en fait, mais je suis trop content, c'est que Tao et moi, on a fait des emotes, mais en vrai, que ce soit les siennes ou les miennes, je les trouve trop drôles. Tu vas pouvoir venir vers nous, Oui. Collant. Oui. Oh, il a la TP. Ouais, même il a 6 PM là. Il a renfort.
Et renfort, il a 6 PM, t'inquiète. Mais en vrai, Bristo, tu me conseilles plus de prendre Panora Blanc plutôt que. En fait, c'est juste que ça te permet sur certains donjons de pas être limité à un seul élément. Ouais, c'est vrai. Et en fait, genre tout ce qui est. Coolos et tout. Pas mal. Quoi ? Ah, bah super. Oh, je n'ai raté la case ! Je pensais que j'étais à côté. Mais c'est à cause du cul de ton renard ! Je pensais que j'y étais. Moi aussi, j'avoue, j'ai l'habitude de jouer avec. Un feu et eau, ça donne un rat blanc. Je sens les montures aussi, t'inquiète. les montures, ça m'a niqué trop de poids. Un feu et eau, ça donne un rat blanc. Tout à fait, oui. C'est pour ça que genre, j'aime bien jouer mon Féanor. Ouais. Prenez des notes hein, dans le chat. Ah, bah, il y a une interro surprise. Hein. Ah, Féanor, j'avoue que le Talkasha est un boss où je me suis fait chier à avoir le full succès. Ouais, bah je l'ai aussi le full. Si j'ai spécial aussi, le spécial était rigolo. J'ai pas fait le spécial dessus. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas refait depuis le spécial. Je l'ai fait avant. Le spécial est rigolo parce que du coup, tu utilises la. On a utilisé la technique du truc. Ouais. Tu sais, les mobs ils respawnent pas. Si tu. En gros, tu tues un mob. Et oui, tu en places un sur la case ouais. Sur laquelle il doit respawn. À l'époque, tu pouvais même cumuler les trois trucs. Ouais, il me semble qu'à l'époque, ouais, tu pouvais faire ça. Mais du coup, j'ai trouvé le spécial grave cool à faire. Mais en vrai, je suis con, ouais, du coup, je peux avoir un Féanor aussi. Parce que j'ai. Oui. Faut juste que je chope les 100 coquilles, là. Bon, ça coûte ouais. Un peu, mais. Ça va. Oui, on voit ça va par rapport au. Ah oh, oui, ça y est. Au familier. Moi, j'avais fait le full succès d'un coup. Hein. C'est l'une des rares fois où j'ai joué pendant la tank. En un coup, vous avez fait full succès, genre statut. Ah bah, j'ai le screen si tu veux. Ouais, mais je te crois. Hein. C'est full succès, score 200. Ah ouais. Donc c'est Hardy Focus. Non, c'est Statue Focus. Ouais, Statue Focus. Statue Focus, score 200. C'est propre. Duo. Et bien, on sait les donjons du coup. Let's go. Peut-être d'abord les work. Toi, est-ce que j'ai pas mal de trucs à faire là-bas. C'est laquelle ? C'est celle-là. Les gobelins de la manufacture. Let's go. Comme en soit, ça va être vite réglé. Et ensuite, on pourra se faire le petit donjon. C'est comment déjà pour. Bord de la forêt maléfique, le plus proche. Bord de la forêt maléfique, merci. Ensuite, je monte. Alors, en ce moment, je suis en train d'essayer de faire les doubles boss aussi. Ah ouais, double boss, celui que j'en ai un mauvais souvenir, c'est Silarg. Ah, le Silarg, c'est celui que j'ai le plus galéré pour l'instant. Et j'aime pas Mrs. Freeze, mais ça c'est parce que j'aime pas le boss de base. Mais... Ouais. Il te faut des boires archers, c'est ça ? Des mages. Ah, dommage. Là, il faut que j'en tue 3 en un seul combat. Oui, après, ah bah là, typiquement, là où je suis, il y a un groupe, ils sont 3. Ah, moi j'avais même pas vu, tu vois. Alors, ils sont peut-être un peu... Ouais, quoique non, en vrai... Non, ça se fait. Avec les classes qu'on a, ça se fait. Bah let's go, on y va. Attends, je suis pas sûr. Moi j'y suis, je suis pas là. J'ai été prendre le zap, je l'avais pas. Ouais, ce perso a pas fait grand chose. Il a fait Astrub et puis voilà. Globalement, il a pas encore fait le bateau fou et tout. Non, j'ai cru qu'ils avaient. En ce moment, avec un pote, je suis en train de faire un Zobal, mais je me rends compte à quel point Zobal à bas niveau, c'est. Ouais, même à haut niveau, c'est pas ouf, foufou. Hein. Non, à haut niveau, il y a des trucs à faire vraiment. Tu peux jouer Dopu, il y a des trucs à faire. Mais vraiment, à bas niveau, c'est un calvaire la classe. Le fait que Furia rapproche plus et tout. Ouais. Ah regardez, il a un ours. Et oui. Et hop. Je vais mettre là. Tu peux repasser en XP si jamais. Et c'est quoi du coup? Chaque combattant allié doit achever au moins. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est comme tout à l'heure, donc faut que je fasse gaffe, faut pas que je pose mon glyphe n'importe comment. Après ça. Le mage qui joue en 9, c'est celui de. De pierre.
C'est mon prénom. C'est ça. Tu peux aussi l'appeler Bébou. Hein. Ouais, bon. Je préfère qu'on l'appelle Ubu, si tu vois ce que je veux dire. Ubu. On va être crevé. Pierre Chan. Ça me cringe. Toutes les animations et tout. Quelle angoisse. Ouais. Ah, j'espère que dans Unity, ils vont nous permettre de les enlever aussi. Hein. C'est pas encore le cas. Hein. Ouais, je sais bien. J'ai refait un tour là. Mon panda ressemble à rien, j'ai envie de crever. Ah ouais, moi je suis un peu triste parce que on a tellement attendu de temps et je suis un peu déçu quand même. De Unity ? Ouais. Parce qu'au final, ça apporte pas de tant de changements que ça. C'est quoi le problème ? Ouais, c'est que en vrai, les changements sont fous, objectivement. Ouais, jusqu'à 2-3 trucs qu'on perd, qu'on a là, et qui sont durs quand t'as une habitude de niveau. Ouais, genre, retirer les animations, c'est horrible. En gros, ils font un effort énorme pour que les animations soient le plus fluides possible, et que tu perdes pas de temps à cause de celle-ci. Sauf que bah, quand t'affiches aucune animation sur, sur 2-0, sur la retail actuelle, mon tour il peut durer une seconde. Ouais, c'est par habitude. Bon. Ouais, d'accord. Ouais, je vois. Et c'est pas possible sur Unity actuellement. On peut pas faire un tour aussi rapidement. Oh. Si jamais celui-ci là il est à moi. Y a ça, y a un gros truc qu'ils ont fait, c'est que les cosmétiques ça va être trop bien maintenant. Ah ouais? Ça j'ai pas vu. En fait, tu peux mimibioter n'importe quel item et c'est lié au compte. Okay. En fait, du coup, tu peux. Quand une coiffe elle est mimibiotée, ça va dans l'onglet cosmétique. C'est pas lié à l'item. J'ai pas capté. Bah, par exemple, tu vois, j'ai un Stalak. Ouais. Qui est mimibioté avec le bouclier Solar. Déjà, là, la gueule du mimibiote. Pas qu'il valait 5 millions, donc. J'ai mis mimibioté avec un item qui valait 5 millions. Bah actuellement du coup j'ai que mon Stalak qui peut être avec cette apparence là. Ouais, alors ah oui ok alors que... Par la suite tu peux tout mettre. Ok, ah oh ouais j'avoue c'est fort. C'est vraiment bien ça. Ça va te coûter un mimibiote et l'item à chaque fois. Oui normal. Mais une fois que c'est fait. Tu peux pas se tour Alexis. Et du coup ça sur les cosmétiques c'est incroyable. Ce que j'espère c'est juste que l'interface soit plus jolie. Ouais. Et qu'on y retrouve un peu plus la patte de Dofus parce que là on a une patte très jeu classique en fait. Oh yes, c'est une interface que tu pourras avoir sur Arc par exemple. L'artefact qui tombe. Hop, ok. Voilà ça. Ça c'est réglé. C'est... Là actuellement on a une interface qui pourrait être sur n'importe quel jeu fait sur Unity en fait. Donc c'est pas très... Y a pas la patte en Kama que tu peux retrouver comme là. Ah, j'aime trop l'interface moi qui est personnellement. Après c'est l'habitude aussi. Quentin, est-ce que tu sais où c'est Distillery Bwork ? Enfin, est-ce que vous savez ce que c'est ? Où c'est ? Je vais pas aller sur Doctrine ou quoi ? Ouais, si, je vais faire ça, ça ira plus vite. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça. Bah tiens. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est au sud, mais qu'elle est au niveau du donjon Bwork. Il me semble que c'est là. Mais du coup, faut pas. C'est au sud d'où t'es. Faut pas monter pour aller sur ce donjon là. Ah non. Non, tu descends de deux cases là. Et après tu vas à gauche. Et pour moi la distillerie elle est là. Est-ce que j'ai ça là ? Ça c'est le donjon. Tu rentres dedans. Ah il a. Et après tu rentres pas dans le donjon, tu vas sur l'étoile là. Oh, qu'est-ce que ça ? Oh la vache ! C'est littéralement comment il s'appelle dans WoW ? Quentin, c'est quand tu joues à Hearthstone, le démoniste, c'est quel personnage que tu joues ? Thrall ? Non, ça c'est le chaman. Le démoniste ? Ouais. Ah, mais c'est clairement lui. Démoniste de Hearthstone.
Ouais, mais pour moi, c'est juste démoniste. Gul'dan. Voilà. C'est clairement lui. Bah écoute, ça m'a rien dit. Tu lui parles à lui? Ça me fait rien. Ok. Et bah, Dofus pour une... Ah, je me suis planté. Ok, je vois où aller. Bouh. Ok, en fait, c'était au-dessus. Ah. Okay. C'est sur la map de... Ah, parce que tu dois d'abord découvrir la distillerie. Okay. Du coup, c'est la map sous l'imote. Sur ta mini-map. La map sous l'imote. C'est genre en... Non, l'imote en haut. Ah. T'as là. Donc, ce serait là. C'est la map du dessous, ouais. Ok, en moins 6-6. Merci. C'est ça. En moins 6-6. En moins 6-6. La distillerie. J'avoue que 3 écrans pourraient stream du Dofus et faire mes quêtes avec Dofus.noob sur le côté. Là, c'est pas mal. Là j'ai mon setup de stream à côté, donc faut que je fasse. Mais moi, j'ai trouvé un moyen d'avoir les quêtes de manière fabuleuse. Ah, t'as pas un. Y a pas un truc qui te les met. Non, mais ça, je m'en fous du guide. Le guide est dégueulasse. Quelle angoisse, il est pas petit. Okay, okay. Ça me trigger. Ah, bah voilà. Ok, et là, du coup, faut que. Ok, allez voir Broken. Non, c'est juste que j'ai un écran en vertical. Ah, ouais, ok, ok. Et du coup, sur Dofus pour les noobs, c'est trop agréable. Ah, bah ouais, t'as pas obligé de scroll à chaque fois si jamais. Putain, scroll très peu, ouais. Ah, ouais. Y a quelques quêtes qui me demandent de scroller, genre la quête des esprits de Pandala, bon. Ouais, les esprits de Pandala, ouais. Genre la quête des haïkus aussi. Ouais. Mais c'est, en vrai, mine de rien, c'est une question que je me posais cet après-midi. Je sais pas jusqu'où je vais aller dans ce jeu. Et j'avoue que en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Ouais, il y en a énormément. Donc je vous avoue, je sais pas quand est-ce que jusqu'où je vais aller en fait. En fait, ça dépend de si tu prends du plaisir. En fait, il y a par exemple, il y a une zone. Si tu lis lesquelles, je suis sûr que t'aimerais trop parce qu'il y a trop de références que t'aimerais trop. C'est tout Pandala. Pandala, c'est magnifique en vrai. Tout Pandala, parce que c'est que des références par rapport au Japon, par rapport aux esprits, par les rapport. Les quêtes sont pas faciles par contre. Ah, oh, Pandala 1 et 2, ça va. Ouais, oui, mais bon. La dimension d'encre et de papier, ça devient relou, mais. Il y a un des combats pour les Domakuro. Avec les yokai là, il était bien relou celui-ci, je m'en rappelle à l'époque. Mmh. Je sais plus, tu sais, il fallait. T'avais je sais pas combien de yokai, il fallait finir au corps à corps 2 ou. Ah, les trompettes! Non, mais les trompettes, ouais, ça les trompettes. Va! Je sais pas de souvenir, j'avais galéré. Moi. Non, trompette. Trompette, c'est long, mais c'est pas dur. Mais ouais, en vrai, Alexis, je te conseille de faire Pandala, je pense que tu vas kiffer. Tu lis les trucs et tout. Mais Pandala, ouais, ça a l'air déjà, okay. Ça a l'air magnifique. Hein, mais là, j'ai clairement pas le level. Oui. Non, mais une fois niveau 100, 110, c'est bon, tu peux commencer à attaquer Pandala. C'est un peu dur. Mais... Ok, donc ça c'est bon. Oui, il y a des maps magnifiques dans Pandala. Ça c'est. Il y a une tub sur ta minimap, mais. Pense en détail. Il y a une tub sur ta minimap. Elle est sur la carte aussi, hein, mais elle est visible depuis la minimap. Ah ouais? Elle est en 25-26. Ah ouais. Attends, quoi? Parce que quand t'es sur la map, tu la vois, mais genre, instant. 25-26. Tu sais, j'ai jamais fait attention. Tu zoomes? C'est au niveau de Terdala, en bas, là. Et quand t'es sur la map, c'est genre, il y a... Y'a que ça, frère, enfin... Y'a une petite tab. Non mais c'est vrai que Pandala, ah ouais. Pandala, ça a l'air quand même... Mais en fait, en soi, ce que j'aimerais beaucoup faire, peut-être pas à 100%, mais j'aimerais au moins visiter un peu tout. Genre, typiquement, y'a toute cette zone-là, donc avec Brakmar, donc ça, je connais pas. Je suis monté un petit peu à Bonta, mais Bonta, j'ai rien fait, tu vois, vous voyez. Pandala, j'ai pas fait... l'île de Moon, pareil, je l'ai pas faite. Vulcania, j'ai pas fait. En fait, c'est simple. Automai, j'ai pas fait. Je pense que là où tu peux kiffer, c'est. Visiter les îles, c'est cool. Visiter les îles, c'est cool, surtout Free Ghost et tout. Par contre, il y a des trucs qui sont trop bien mais cachés. Et c'est plus du temps, si t'as le temps de faire ça solo, niveau 110-120, c'est Pandala, Brakmar. Bonta, Brakmar. Mm-hmm. Que des quêtes avec des refs fabuleuses. Ah ouais? Bah ouais. Pandala, c'est bon, bah forcément, c'est la ville, la jolie ville. Donc t'as des refs aux trois mousquetaires. T'as une ref à Ratatouille.
Tu veux dire Bonta? Oui, sur Bonta, pardon. Ouais, mais Bonta, et sur Brakmar, ça va déjà Bonta. Là, je zoome dessus. Sur Brakmar, t'as des quêtes un peu plus liées à la luxure, mais. Bah, Brakmar, déjà. Voilà la tronche du territoire de Brakmar. Déjà, faut pas oublier, il y a la putain de forêt de Dark Blood à côté, là. Que ça, parce qu'elle est bien maintenant, la forêt de Dark Blood. Mieux qu'à l'époque, ça c'est clair. Quel enfer à l'époque si tu voulais pas aller sur Dofus pour les noobs, courage. T'as une des koalas, les koalas par exemple. J'y allais pas, je connaissais le chemin par cœur. Ouais, après, quand tu le connais, pourquoi pas, mais si tu le connais pas, je pense que tu passes un bon bout de temps dans cette forêt. Hein. Non, mais regarde, t'as besoin de faire un donjon, non? Ah. Hop là, bah oh parfait. Coup. Alors. C'est celle-là. Du coup, faut quoi? Faut que je lui parle? Tu rentres dans le donjon. C'est quoi? C'est utiliser. Trousseau de clé. Trousseau de clé. Oui. Là, tu peux cliquer sur le casier. Cliquer sur le parchemin. Ouais. Et du coup, tu dans ton inventaire, t'as un sort supplémentaire. Je savais même pas ça, t'sais. Quoi? J'avais vu qu'il y avait un sort qui était comme ça. Il y en a un aussi à Cannibal et Bill. Ah bon? Comment ça? Oui. Oh, à Cannibal et Bill, sur la map après le boss, t'as un endroit où il faut cliquer pour récupérer un sort, pareil. Attends, j'ai... Ah, c'est peut-être ce sort-là, voilà. Parchemin du foudroiement de Grunob. C'est ça. Okay. C'est un sort commun qui peut être pratique. Comment ça se passe? S'il y a un tour où tu reçois des soins, c'est bien, par exemple. Je double-clique? Comment ça se passe? Ouais, tu double-cliques. Ok, bon, j'ai appris un nouveau sort. Tu double-cliques et après, il est dans tes sorts spéciaux, comme les invocations, comme capture d'âme. Ok. Voilà. Comment on fait déjà pour... Il est mis automatiquement dans le long. Voilà. Ouais, mais comment on fait pour le passer en page 2? Prends-le et prends ta molette. Ah oui, c'est ça, merci, c'est la molette. Voilà, merci. Hop! Bah écoutez, let's go faire... hop, ça. Alors, raser les murs et nomade. Essaye de finir à côté d'un mur ou alors de faire nomade, mais les deux, je sais que ça peut être un peu chiant, mais merde. Absolument en face de toi. Oui. Non, je sais pas pourquoi. Ah, je fais un sort dans le vide, j'ai crit. Parce que j'avais mis ma barre en dessous et du coup ça me mettait le coup de corps à corps au lieu du coup de. Et que nomade, ça ira. Non, je peux... Les deux en même temps, c'est embêtant. Bah... Non, je pense que je peux... Bon, de toute façon, vous allez le défoncer. Ah, mais il faut que tu finisses à côté d'un mur. Là, tu finis pas à côté d'un mur. Voilà. Ok. Allez, faites... Non, mais parce que vous êtes plus expérimenté, travaillez pour moi. Hein. Bonsoir, Anna. Ouais, justement, c'est... Justement, c'est qu'il faut que t'apprennes. Oh, ça va... J'ai travaillé avec des jeunes, vous croyez quoi? Tu vas arriver dans des gros donjons, tu vas pas savoir quoi faire, on va t'insulter. Et la commune d'Ophus en plus, ils s'en battent les couilles. Hein. Ça dépend, mais... Hier, en double boss... Ah tiens, ça tombe bien. En double boss, ça commence à être... Gros bichon, fallait que j'en... Il me manquait un gros bichon. Comment ça va, Anna? Comment vas-tu? Je te jure, on était avec un panda tank. Bon, déjà... Moi, j'aurais préféré qu'il joue dommage, quoi, parce que pour le compte, c'est quand même plus agréable. Il n'arrivait pas à placer le compte pour le délock. Fatigué? En gros, il le prenait et il essayait de jeter symétriquement, sauf que. Il était obligé de stopper Alexis. Quoi? Il était obligé de taper sur le mob. Non, c'est bon. Ok, voilà. Bah, je peux finir là, on s'en fout. Oui.
Enfin, bref, on a foiré. Mais écoute, ça va très bien, Anna, merci. J'attends des news pour peut-être un travail et je sais toujours pas si je fais une thèse. C'est... Mais ça va. C'est quoi les tchals là? Que de la merde. Ah oui. Ouais, concurrent, je suis pas fan de ce tchal. Non, il est chiant. Moi non plus, mais l'autre était naze aussi donc. Oui. Oh, mais il n'y en aura aucun. D'ailleurs, concurrent, comment ça marche si t'en tues plusieurs? Tu peux ça marche. J'espère que tu vas un seul, un seul des mobs que t'as tué, c'est gentil, okay. Merci. On verra. Là, le plan, c'est si possible, je travaille à la médiathèque de là où j'habite. Et je réfléchis pour faire la thèse à côté. Je vais voir. On sait pas. On réfléchit. Et pourquoi ZS sur vos pseudos? C'est parce que c'est par rapport à Tao et son stream. La ZOG. C'est la ZOG Society. Et on est tous des capitaines. Moi, je sais que je suis... Je sais plus de la combientième, mais je suis capitaine d'une de ces unités. La quatrième, je crois. Je sais plus, je crois, c'est ça. D'ailleurs, il a créé des comptes TikTok et Insta ZOG Society. Ouais, on va faire des trucs à la con. Ouais, Anna, elle l'est aussi, c'est ça. Bah, il y a Pierre, moi, Anna. C'est quoi ton animal? C'était le... Tu veux dire que le logo crabe. Ouais, c'est ouais, moi, c'est le crabe. Ouais, bah t'es la division 5. Mais go balader pour co balader, quel incroyable. C'est. Bon, en vrai, j'aime trop d'office quand ils font des petits jeux de mots comme ça. Il y en a vraiment de partout. J'en connais énormément. Tout comme je connais énormément de maps cachées. Moi je connais énormément de Pokémon, mais ça n'a rien à voir. Notamment la Fistinière. La quoi? Une Fistinière dans deux fusils. Est-ce qu'on peut revenir au jeu s'il te plaît? Mais c'est dans le jeu, j'y peux rien. On t'a pas demandé ton avis, on t'a pas demandé tes penchants, d'accord? Nous on t'a demandé comment avoir du Kama. Wouah! Allez, crevé. Ah, c'est là, ça y est! Ah, c'est le boss! Oui! Attends quoi? J'ai même pas capté que c'est le boss. Ah, faut faire tous leurs mouvements. Il faut tuer le boss en premier. Et à partir du deuxième tour, faut qu'on commence à côté d'un bug. Ok. C'est les combattants qui doivent commencer leur tour. Les combattants, c'est. Oui, mais c'est. Combattants, c'est nous et eux. Non, c'est les combattants ennemis seulement. C'est marqué combattants ennemis Ah oui, exact. Doivent commencer. Donc vous devez rush quand même, en gros. Ouais. Pour qu'ils puissent commencer à côté de vous. T'as l'appel feu quand même qui peut faire un peu de dégâts. Ouais, mais je pensais. Juste rush à fond. Une strat. Après moi je suis R donc pour le nomade c'est tranquille. Si tu te TP toi genre là et après tu vas sur lui. Comme ça tu pourras faire nomade. Ah oui. Bien vu, merci. Merci, merci. Et tape-le. Il résiste au... Ouais, un petit peu. 15%. Ouais, tu vas bloquer là, non? Ah non, t'as bon aussi. J'ai pas un truc qui... En soi, si je fais une retraite anticipée, ça... Ça foire pas le tchal, non? Non, parce qu'on a... Nomade de fait.
Petit rappel à tout le monde, n'hésitez pas à scam les gens, c'est autorisé par Ankama, vous ne risquez rien. C'est vrai. Scam, c'est quoi déjà? C'est le fait d'arnaquer quelqu'un. D'accord. C'est une drôle de règle. Faut que tu te colles à Go Balader. Ouais. Tu pouvais te coller à Go Bichon parce que là c'est compliqué, mais. Hein? T'aurais dû te mettre là. Commence pas à côté de quelqu'un. Ah putain, après je peux mettre mon sac. Hein. Mettre ton sac. Ouais. Est-ce que ça compte comme un combattant? Espérons. Allez, de toute façon, moi je joue avant, donc je vais me poser à côté. Oui, mais toi tu dois te mettre là. Ouais, il faut bien que tu utilises tous tes PM du coup. Oui. Donc tu fais genre ça. Ouais, donc genre je vais là, sur la case du fond là. Tu vas là déjà. Et ensuite je reviens là. 3, 4. 3, 4. 5. Ah non. Ou sinon, si, puisqu'après t'as ton sort pour t'avancer, non? Bah non, je peux plus utiliser. Non, tu te mets là et tu renforts Brice, toi. Ah oui, tu te mets là et tu renforts sur moi. Ok. Faut que t'ailles assez vite, par contre. Et tu tapes Gobichon. Ah, si le sac, ça peut foirer ou pas. Ça a l'air de good, hein. C'est good, parfait. En fait, ils ont changé tellement de choses sur les entités que... Oui. Oui, le collant marche plus avec les... Avec les invoques, si j'ai bien capté. C'est ça. Il faut que j'use tous mes PM avant de tuer. Bah, tu go balader après. Et bah putain, aucune difficulté, hein. Non, celui-là est vraiment facile. C'est un donjon niveau 40 qu'ils ont ajouté qui est... Qui est vraiment simple. Bon, alors je te laisse voir pour ta quête, hein, y a peut-être des trucs à faire. Hein. Bah là c'est aller voir directeur. Je vous souhaite un bon jour. Tu dois cliquer sur l'armoire dans le fond. C'est ça, merde. Ouais, dans Dofus. Les nombres de quêtes que j'ai loupées après un boss parce qu'il fallait parler à des trucs pour faire des machins. Ouais, souvent faut faire gaffe au dialogue. Ouais. Quand tu fais des petits boss comme ça va, mais là dernièrement, sur un Illizel, j'avais oublié de cocher un truc avant. J'ai fait un Illizel pour rien. J'ai un peu dégoûté. Oh, bon, c'est pas fini! Ramener. Ouais. Mante sauvage, faut 25. Artefact panda wushu. Poil de barbe de Wow. Bon, la quête coûte cher. Hein. Après, en soi, ça, tu peux le faire tout seul. Hein. Ouais, moi, j'ai déjà un panda wushu rock si tu veux. Je peux te filer le panda wushu rock. J'en ai un seul. Ouais, je veux bien à la limite, s'il te plaît. C'est d'ailleurs la raison pourquoi la zone est beauté. Ouais, c'est pour ça, ok. Elle est quoi? Attends, j'ai. Elle est beauté. Il y a des bots dans la zone. À un moment, il y avait énormément de bots dans cette zone. T'as des bières work ou pas, par hasard? On va avoir quelques-unes, ouais, j'en ai. Je veux bien que tu me les files si ça te dérange pas. Ça fera 30 000 kama. Ben, c'est parti. J'en connais un qui veut les 100 bières. Non, je rigole. Et ben, tu en auras 30. Ouais. Voilà. Combien j'en ai là? J'en ai 67, c'est un peu ça, ouais, il me faut les 100, je suis à 67. Bon, ça se forme bien. Hein. Ouais, oui. Mine de rien, ça va. Et... Ouais, attends, t'en as besoin de combien? Bah... C'est quoi? Non, il en faut 97, là j'en ai... Il m'en manque 30. Oh mais, j'arrive. Tu en as 30? J'en ai 1450. Oh, bon, ah ouais, d'accord. En fait, c'est toi le bot. Non. Il bot cette zone, en fait. Mais en fait, c'est pour ça qu'il c'est un world boss, en fait. Il est payé pour jouer. C'est ce que j'aimerais bien, putain. Ah ouais. Je suis Arthéon de Phargos. Je suis un acteur moyen dans une série moyenne.
mais j'ai incarné un perso très sympathique. J'ai été streamer, fut une époque. C'est vrai, il a arrêté ? Je crois, ouais. Ouais, les amis, c'est Sparadrap. Et alors, moi, dans la vraie vie, ben, je sors avec une femme trop trop belle. Enfin, moi j'aime bien. Enfin, j'en ai des bons souvenirs, tu vois. En fait, j'en ai de très bons souvenirs, mais j'ai pas du tout aimé le délire qu'ils avaient à la toute fin. Le truc avec l'e-sport, j'ai dit en mode, vas-y. Oh, ça va. Tu auras 40 kamas. Non, mais. Comment ça, il a 40 kamas? J'en ai eu que 30, moi. Mais parce que tu m'as donné. Tu m'as donné combien de bières? Si, continue à stream, tiens. Combien tu m'as dit? 90. Ah merde. Non, pas du tout. Hop là. Artemon continue à stream. Ok. Bah, en fait, il y a plein de personnes qui en fait, étonnamment, dans l'esprit collectif, ont pris un peu leur retraite, on va dire, des réseaux. Mais en fait, sont toujours là. Typiquement, un qu'à chaque fois, ça me surprend qu'il stream. Mais en fait, me dit, mais non, en fait, oui, il est sur internet. C'est. Comment il s'appelle? Mathieu Sommet. Mathieu Sommet. Oui, non, mais parce que. Il a complètement arrêté. Viens, Lexi, on prend notre retraite. Non, mais je pense. Non! Non, non, laisse-moi atteindre mon palier. Après, Mathieu Sommet, le problème, c'est qu'à un moment, il a eu des casseroles au cul. Donc, Ouais, Mathieu, ouais, bah, il. De toute façon, Lexi, ce que tu fais, c'est. Tu dis que tu prends la retraite, comme ça, lui, il arrête, et après, toi, tu continues, en fait. Oh, je continue en secret. Ouais. Moi, je suis chaud de ça. Hein. Oui, Mathieu Sommet, le problème, c'est les casseroles au cul qu'il a eu. Bah oui, hein. Que ça soit fondé ou non, hein, genre. De toute façon, je n'en sais rien, je n'ai pas suivi. Sur les réseaux, t'as de toute façon beaucoup de personnes qui mineraient des casseroles au cul. Et qui en fait, c'est compliqué. Autant il y en a certains, dont un dont on citera pas le nom, tu te doutes que ça sera preuve réelle, on va dire, parce que ça a pris des proportions énormes. T'en as d'autres, ça a pris de moins grosses proportions. Et t'as toujours ce doute qui persiste. Typiquement, là, t'as le documentaire d'Inoxtag qui est sorti. Et de ce que j'ai cru compris, t'as. Comment il s'appelle? TK. Là, je sais plus comment il s'appelle. Qui en gros a été invité, sauf qu'en fait, dès qu'il arrive dans le cinéma, t'as l'organisateur qui a en fait a complètement dit non, non, c'est mort, lui il rentre pas. Et. The Kairi, voilà, c'est ça. The Kairi, le problème c'est l'image globale, il a une image de pointeur. Ouais, c'est pas fou. Qui est une image avérée en plus parce que. Bah, c'est ça le problème en fait, c'est que à cause. C'était en fait, public. Quoi. C'est ça en fait, et il a fait une vidéo un peu en mode chialeuse, en mode mais je comprends demain, pas et tout. Je mange petit. C'est bon. Bonsoir. Je me fais engueuler parce que je mange pas un gâteau. Moi aussi. Ton avis, tout de suite. Ah non, non, non. Non, parce que ça veut. Non, non, ça fait une personne de plus à payer parce qu'elle passe en stream par inadvertance. Non, 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 non. Déjà que j'ai pas envie de vous payer. Ah voilà. Mais oui, t'as lui, t'avais Link Vesson aussi qui a eu quelques casseroles, mais ça, pareil, t'as jamais trop abouti, donc tu sais pas. Voilà, t'en as plein, hein. Plein. Mais The Kairi, ouais, a priori, il s'est vraiment fait jarter d'un coup, alors qu'il était invité. Et il a fait un peu sa chialeuse, et t'as tout le monde sur les réseaux qui était en mode, bah, chais, pas chais. Œuf de Pew. Oh putain. Elle va commencer à m'emmerder. Elle va commencer à m'emmerder, ça. The Kairi, c'est vraiment le côté porteur, quoi, mais. Œuf de Pew, c'est. Tu vas me dire qu'il faut taper alors un ça Pew, c'est s'échange... ça. Non, ça s'échange contre des bières de Bork. Putain. Attends. J'en ai 10, il en faut 8. Bon, ça devrait le faire. Ça s'échange où? C'est pas sur cette map-là que t'as un PNJ qui peut... où tu peux faire acheter-vendre? Non, échanger. Alors ça, j'en sais strictement rien. Bah, va dans la tente. Ah, attends. Oups. Mais sinon, si, y a un chef cuistot, je crois. C'est plus loin. Attends. Ok, elle non, et la bourquette? La bourquette, c'est elle qui me demande les œufs justement. Mais attends, j'ai un. Lui là. Ah, mais le nom de cette quête, j'ai envie de canner.
répondre que malgré le fait que leur odeur corporelle vous répugne fortement, vous appréciez plutôt la compagnie de ces glutins géants quelque peu bourrus. Non, il faut que t'ailles en moins 4 de... Moins 4 de... Ah non, en moins 6, 4, pardon. Moins 6, 4, et t'as Gobier Trocker. Gobier Trocker. Putain, ça y est, en vrai, le mec là qui a fait sa vidéo sur Dragon Quest 9, elle dure 1h40, mais alors putain, qu'est-ce que c'était sympa. Pas de quelle vidéo tu parles. Et pourtant, je regarde des vidéos sur le jeu vidéo. Je crois que je suis le plus gros consommateur de cette planète. Mais Il s'appelle Masco. C'est pas un mec qui est connu et il a juste fait juste sa vidéo d'1h40 sur Dragon Quest 9 et trop bien. Dragon Quest 9, j'en ai des vrais bons souvenirs de fond. Dragon Quest 9. Tu peux me redire les coordonnées, s'il te plaît. J'ai oublié. Pas de souci. Moins 6, moins 4. Non, moins 6, 4, pardon. Ah, 4, donc c'est bon. Sinon, moins 4. Moins 6, c'est sur la gauche. Ouais, c'est ça, voilà. Mais... Boristo ? Ouais. Pour la panoplie rat blanc, là, en Dofus, du coup, tu mets quoi ? Tu mets des trophées aussi ? Non, Tu mets que des Dofus ? Tu mets que des Dofus et tu t'en fous. Ok, ouais. Okay. Vas-y, c'est bon, désolé. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Tu mets que des Dofus et tu t'en fous. Par contre, ce que tu fais, c'est que... Tu peux mettre un trophée PO, tu peux mettre. Après, c'est pareil, si t'as le Dolmanax, tu mets le Dolmanax. Oui. Le problème avec le stuff rat blanc, c'est que j'ai une invocation. Ok, putain, 5. Ok, c'est chiant. Il en faut encore 3. Donc, 2, 4. Ah, 6, ouais, 5, c'est vrai que tu joues Enu. Ok, on va faire ça vite fait. J'avais oublié ce détail. Il n'y a rien en trophée qui donne des invocations, je parie. Non, non, mais attends, j'avais trouvé un moyen de... Est-ce que t'en veux quoi? T'en veux 2 ou 3, ça? T'en veux 2, après tu peux mettre à la place du Kikoulark, je peux mettre l'Arès. Ouais. Le truc, c'est là. Que ça me fait chier, parce que j'ai une Arès déjà, que j'aime bien, mais le problème, c'est que il n'y a plus le PO dessus. Il n'y a plus les invoques. C'est une 125 Vita. En vrai, le G est facile à faire. Ouais, j'imagine. Mais bon, Ah, si, puis si je suis con, je suis sculpte mage sur mon upper. Parce que sculpte mage, c'est forge mage. Ah, bah alors je suis baisé. Non, mais passe-la moi. Tout de suite là, genre. Ouais, ouais. Oh non. Oh, il est en train de faire ses combats contre ses bourgs, t'inquiète que je vais pas l'aider là-dessus. Hein. Oh non, non. Mais en fait, j'ai juste besoin de 6 pauvres. Viens, Bonta, au zap et. J'ai juste besoin de 6 pauvres bières là, mais. Il faut des runes. Non, enfin, t'inquiète. Après, en vrai, même si tu as pas la Vita, je m'en branle en soi. Ok, Chloé. Désolé. Hein? Non, parce que... Il fait copinade. Je. Alors moi je dis Muffed, je trouve ça plus drôle dit comme ça. Oui, Muffed. Oh, Muffed. Oh, oui, c'est rigolo ça. Mais non, non, mais juste. J'ai pas bien rangé les serviettes et tout. T'as mal rangé. Mais t'es vraiment une raclure de fond de cale, mec. T'as mal rangé les serviettes. Mais non, mais parce que. Gibier de potence, va. Elles étaient étendues. Et bon bah il a fallu les retirer de l'étendoir à linge. Et du coup je les ai pliés, posés sur le lit, plutôt que de les poser dans les tiroirs, enfin de les ranger dans le tiroir. Ça me dégoûte comme comportement. Je sais pas quoi en penser de toi. Ok. Oh non, attendez, est-ce qu'il faut que je calcule? 2, 3, 4. Comment ça s'appelle déjà le. 5, 1. Oh la vache, il fait mal. Ça par contre,
sur Unity, ça va être trop bien. Ah ouais, ils vont changer aussi les puits et tout. En fait, t'as le suivi du reliquat en permanence. Ah ouais, d'accord. C'est genre, j'ai pas eu de pierre. Ok, donc 93, ça fait 33. En vrai, ouais, tu m'as convaincu, je vais partir en panora blanc. 12. 12 fois 3. Ça fait 36. Et où ? J'ai pas bougé. Oh putain, ils ont dispawn. Oh, je sens que ça va me casser les couilles. Là, je te file un peu de karma pour... Non mais... Vire. Vas-y. Merci. Hein. Attends, mais c'est quoi cette histoire ? Y a des gens qui ont farmé les bois, qu'il n'y a plus rien là. Encore plus de vita qu'avant. Putain, là, j'ai perf en plus, j'avais pas vu. Ouais, mais ça va. C'est vrai qu'avec le PA, oui, tu fais sauter le PA et après. Fais sauter le PA, c'est facile. Après, t'as deux façons de le faire, c'est-à-dire que soit tu fais sauter le PA, tu fais ressauter direct, et au moins t'es sûr que ton jet que tu fais, il est. Ouais. Il ouais, s'arrête, quoi. Mais t'as moins de chances de passer. Mais t'as moins de chances de passer chaque rune. Soit tu te dis OZEF. Et t'essayes de je l'ai fait en OZEF, et j'ai fail en plus. Genre, je suis un connard, j'ai mal calculé à un moment. J'ai perdu 15 de vita. Ouais, après ça, c'est pas grave ça. J'avoue, j'ai hâte de jouer haut là avec le sort qui. Une sorte de poison là. Et ouais, c'est juste que rat blanc, bah ça te permet de jouer feu. Et sur certains donjons, avoir le double élément c'est bien. Genre Shenmue, si tu comptes pas changer ton stuff en niveau 150. En fait, tu peux te retrouver à faire un chaînement un peu tôt. J'ai un gars dans ma guilde, il était inutroph, level 190, je crois. Il m'a dit qu'il était encore en panora blanc. Ouais, moi c'est simple. Tu veux savoir un truc? Tu restes jusqu'au. Je sais pas. Non, non. Mon hyper mage, quand je l'ai monté, j'ai fait tout Free Ghost 1 et 2 en panora blanc. Putain. Par contre, ça m'arrivait d'utiliser genre. Cap de classe, ouais. Ceinture et anneau. Non, cap de classe et ceinture. Et coiffe un petit peu. Et en gros, j'avais deux stuff, j'avais rat blanc, rat noir, et voilà. Ouais. Et ça suffit à tout couvrir, tout ce dont t'as besoin. Et tu joues bouclier d'as aussi, du coup ? Je joue avec un bouclier PA. Ok. Peu importe lequel. Moi, maintenant, j'en ai un par tranche de level, donc c'est bon, mais. Avec un bouclier PA, mais du coup t'es à 13 PA. Ah non, c'est parce que tu joues pas Volcorn. Je joue pas Volcorn, ouais. Je joue du coup souvent je finis par jouer Bisouglours et tout. Mais du coup tu peux jouer Volcorn et jouer avec un truc qui coûte beaucoup moins cher quoi. Oui. Moi, je pense que je vais faire parce que justement je m'étais dit vas-y, je vais me choper un bouclier d'As PA. Mais un peu la flemme ça coûte. C'est quand même moins le zoo sans Anthony, putain, mais alors là, il y a ni Anthony ni Enzo, c'est vrai que c'est d'un calme. Mais je pense que c'est pas plus mal parce que mine de rien, c'est tellement le zoo parfois que tu te dis bon, allez, un peu de calme. Mais par exemple, ce que tu peux faire par exemple dans tes combats et tout, c'est du coup te full stat feu ou te full stat eau en fonction du combat que t'as. Ouais, bah je pense que je vais faire deux ensemble. Hein. Et du coup, sur les donjons, sur les mobs, sur tout ça, tu peux vraiment adapter ton stuff. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup la rat blanc, je trouve que c'est l'un des meilleurs, une des meilleures panoplies qui s'est sortie. Quand ils ont fait la refonte. Bon, et se pourrait que j'ai une panora blanc avec des items. Il y a des petits problèmes dessus. Mais... Ah, ça fait de la forge magie et que. Non, merde, non, accepte pas. My bad. Ah. Ouais, c'est pas grave. C'est juste que je voulais te choper rat blanc. Non, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de la FM sur des anciens jets. Ah, ok. Du coup. Et sur les anciens jets, quand ils les ont refait les items.
Wesh. Ah ouais. D'ailleurs, je dis ça à Tao, ça marche aussi pour vous les mecs. Faudrait qu'on se refasse un live multigaming à plusieurs. J'avoue. T'as dit c'est faisable ça ça fait 30... 30, 25... T'es à 55, t'es à 55 et 9, 64, 64 et 7, 74, et 20, c'est chaud, 94. Hein. S'il n'y a pas Pierre, je suis chaud. Oh mais putain. Ok, t'es à 104, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est un jet qui, si un jour il rechange l'item, je suis baisé. Mm. Oui. Parce que... Avec ce qu'ils ont prévu comme changement, je suis baisé. Parce que maintenant, tu sais, il y a la refonte. Quand ils changent des items, maintenant, il y a le nouveau système qui passe. Oui. Et qui nique les over et tout. Par contre, j'aurai un item G-perf, mais voilà. Oui. Ça me fait chier, parce que c'est quand même beaucoup moins bien que ce que j'ai. Ah bah, clairement. t'as genre... t'as presque 10 stats all, t'as... Un dommage de plus de part, t'as une invoque aussi, je sais pas pourquoi t'as une invoque, mais t'as une invoque. Parce qu'il y avait une invoque sur l'item à la base. Ok. C'est pour ça que moi j'ai pas de problème en rablant sur les invoques en général. Ouais, du coup, ouais. Ok, c'est bon. Et c'est vrai que j'y pense pas. Let's go. Ah, la panneau rablant, ouais, ça va, elle est pas si chère que ça. Enfin, les bottes, pas trop chères. Mais du coup, en fait, en c'est, vrai, c'est une panneau qui est pas très chère. C'est 150, même multi, moins que ça, c'est 80 000 par item peut-être si tu craftes. Ouais, là, les premiers items ils sont à 80 000. Oui, voilà, si tu craftes, c'est 80 000 par item. T'as 6 items. T'as PAPM, PO. Attends, mais c'est quoi cette rapière du rablant là? Mais ouais, du style, ouais. Un petit. La rapière, tu t'en fous. C'est... Avant, elle faisait partie de la panneau, maintenant. Même d'autres jeux, si je les ai pas, c'est pas grave, je peux les acheter s'ils sont pas chers. Bon, t'as fini avec tes bières de Bourque là? Ah, c'est bon, ça y est, là, je peux aller lui rendre ses œufs de con. Acheter. Faut juste que tu lui en donnes 6 à lui. Ouais, mais il me manquait. Si, si, parce qu'en fait, c'est 8 œufs de Pew, sauf que ça coûte 2, et en fait, j'avais pas. C'est où c'est là. T'avais pas les 16. C'est ça. Oh putain, ils ont fait en sorte que tu te fasses plus baiser sur cette quête, incroyable. Hein, quoi? Rien. C'est la quantité d'œufs de Pew que tu demandes, ça. Voilà! Putain, ils ont fait en sorte que tu fasses plus baiser sur cette quête, incroyable. Parce qu'avant, ça lançait un échange avec le PNJ, et tu devais mettre 2 fois 8 bières, et si tu mettais 16, ça te mettait le gâteau industriel, donc tu te faisais baiser. Ok. Donc tu vas faire 2 fois 8. Qui pour, le... échangé, qui pour le donjon dragon cochon? Pas moi! J'ai vu, j'ai été un viewer assidu, j'ai regardé tous les streams Wakfu de ce cher Zoga, et je ne veux pas faire le donjon dragon cochon. Le dragon cochon, je te jure que ça ira. Hein. Ouais. Dans quel sens? Bon, c'est facile. En vrai, pour gagner, t'as juste à utiliser des PA au premier ou deuxième tour et t'as gagné. My dream. Ah mais oui, tu vas peut-être découvrir des mécaniques de donjon. C'est ça que j'aime bien, c'est plus tard, t'as plus de mécaniques de donjon qui sont sympas. Au début, c'est un peu rompiche. Ah, faut tuer des pioux maintenant? Décidément, on s'amuse dans cette quête. Ah, les quêtes du succès, c'est quoi le nom du succès? C'est les Kaira? Pas le plus drôle. Ouais, il m'avait saoulé un peu ce... Le succès des Bourg. Pas très très drôle quand même. Où je mette à jour mon stuff crit, je l'ai pas fait. J'ai trop la flemme. De quoi à jour? Il faut quoi? C'est Chloé, tu veux dire? Ouais. Bon, j'ai la flemme de le faire. Bah, le problème, c'est que je l'ai encore en strigite pas de greffe et ça me fait un peu chier. Bah, je suis toujours en strigite pas de greffe, torqué, et voilà. C'est ce que j'ai, hein. Ouais, mais ça me fait chier. C'est pas si cher que ça de changer. Après, ça me fait chier parce que j'ai l'opti avec les crits ouais. Supplémentaires pour pouvoir jouer en sacochère.
On joue en sacocha et 100% crit quand même. Ouais, moi j'ai juste de base. Ah putain, essayer de le faire, mais... j'ai pas. Sinon, je me suis pas. Je crois que je me suis pas déplacé. C'est pas grave. Ouais. Sur les combats de quête, c'est très rare que ça soit utile de faire échelle. Ouais, mais bon. Même en termes d'XP. C'est jamais. Non, mais je te préviens, c'est des fois tu te fais chier pour rien quoi. Et au bout d'un moment, tu ne regarderas même pas le challenge quand tu lanceras ces combats-là. Oh mais putain, mais... Mais c'est relou. Mais tu dois aller voir Gommichet. Mais oui, mais Gommichet, mais... il va me dire quoi après? Ouais, ramenez-moi les Sidofus. Putain. Ça serait rigolo, mais non. Ah non, ce serait pas rigolo. Non, que ce serait pas rigolo. Ah oh, si, les Sidofus, ça serait rigolo. Non, non, Bigard, c'est rigolo. Ça, non, c'est pas rigolo. Waouh. Je sais pas si Bigard c'est entièrement rigolo depuis le Covid, mais... Ah non, c'est pas rigolo du tout, même. avant Covid... Non bon... On veut pas. Pourquoi pas, si tu veux. Pas mon humour, mais pourquoi pas. Comment il... Qu'est-ce qu'il crie déjà? Les... Merde, qu'est-ce qu'il crie déjà qui est débile? Les décideurs. Bon. Du coup, j'ai un truc, utiliser le canon pour se rendre sur l'île de Moon, donc ça, à la limite, ça peut attendre. Okay. On a l'ascension à faire, si tu veux. Ouais, l'ascension. Et j'ai aussi bah, fantôme contre fantôme. J'ai sinon truc des chaffeurs aussi. Ah, il y a Boustache et... Ouais, t'as raison. On peut faire Boustache, on peut faire chaffeur. Si ouais, alors, autant faire lui, c'est le moins haut level. Non, c'est pas chaffeur, d'ailleurs, c'est Boustache. C'est faut que t'ailles au lac oui, de Cagna. Oui, mais la quête s'appelle gentil organisateur chappeur. Pas gentil la organisateur. La quête s'appelle fantôme contre fantôme. Ouais. Oui, mais l'objectif. Tu veux jouer Hop, c'est bon, je l'ai. Connecte mon yop. Attends, c'est quand même cher hein, de se déplacer en zap. Hein. J'ai dit que j'allais TP, mais bon. Non, c'est pas grave. Tu m'as déjà donné suffisamment, Pierre. On peut m'inviter en groupe? Non. J'avoue, je veux pas savoir combien j'ai dépensé en zap. Ça fait partie des trucs, je ne veux pas savoir. Ouais, pareil. Je pense on peut t'inviter si c'est bon. J'étais pas en ami, je crois. Non, tu m'as pas ajouté parce que t'es quelqu'un de mauvais. Mm. Hop. Voilà, c'est bon. Ouais, il a fait bloquer ce joueur, what the fuck. Waouh. What the fuck, les amis? Eh, hey, salut à tous les amis. D'ailleurs Alexis, si un jour tu recrutes et qu'il y a un gars il te dit d'utiliser une potion bizarre, faut faire gaffe. Hein. Comment ça? Si gros, on te dit d'utiliser la potion Ramulox un jour, peu importe hein, le nom, en général il va dire de taper ça sur internet et en fait tu vas tomber sur un site de phishing de Dofus. Ah d'accord. Ouais. Et les sites sont de mieux en mieux faits parce que t'as plus qu'à aspirer le site maintenant pour faire un site de phishing. Donc, Tu sais qu'il y a pas si longtemps j'ai failli me faire avoir. Hein. Ah ouais? Bah en gros, moi je connaissais ce truc de potion, mais là, depuis un certain temps, tu sais, c'est des gens qui recrutent pour des dalles. Il y a les dalles. Ouais, à un moment, il y avait des zones d'XP auxquelles tu devais accéder, il y a une potion, il y a une clé bizarre. Il y en a eu pas mal de trucs. Mais en gros, considère que si on te demande d'aller sur un site internet... Oui, bah oui. Tu vas jamais? Dès que le gars il m'a dit c'est sur un site, je dis mais bah que non, des sites... Il y en a deux où tu vas, c'est dofus.com et tu le notes toi-même, et ouais. Dofus pour les noobs et tu y vas toi-même. Voilà. Ouais. Bon. Et encore Dofus pour les noobs, en soi, tu peux y aller sur un lien, non? C'est pas si dangereux. Alors si. Ah ouais, tu peux te niquer. Des scams Dofus pour les noobs, j'en connais. Ah ok, je savais même pas ça, tu vois. Si, bah des Dofus pour les noobs sans S. Ouais, mais ils peuvent te niquer quoi? Ils peuvent pas te niquer ton compte, non? Si, parce qu'en fait, ce qu'ils font... C'est qu'ils sont même plus smart que ça, c'est que sur, ils vont créer une news sur Dofus pour les noobs avec un tuto. Mmh. Et le tuto va te ramener sur un faux site Dofus. Ok. Ou une manière, moi, dès que ça va sur un faux site Dofus. Oh non, j'ai envie de canner, j'ai pas la clé. Ah attends, je suicide. J'en ai une. J'en ai 15 des clés. Je te rejoins pas. J'utilise toujours mes trousseaux de clés. Mais, ah bon. Non, non. Attention, je peux plus. J'utilise toujours mes trousseaux de clés, du coup des clés j'en ai un milliard des donjons BL. Bonjour. Nia d'eau douche.
Ouais, bah lance pas de combat contre lui, s'il te plaît. On peut lancer, on peut lancer un combat contre lui. Ouais, vas-y, lance. Non, 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 mais c'est, je savais même pas, parce que oui, c'est vrai que des putains de centaures, j'en vois tout le temps, mais je sais pas à quoi ça sert. Merci, c'est des percepteurs. En gros, tu les poses, c'est lié aux alliances maintenant. Tu les poses, ça te coûte une potion qui est du niveau de la zone, donc là, c'est une potion qui est niveau 40. Et... ah non, c'est une potion niveau 60. Parce qu'il faut que ta potion soit supérieure ou égale. C'est une potion niveau 60, tu poses, et en fait, lui, il va récolter des ressources. De la zone. Sur toutes les ressources qui sont droppées. En gros, il va générer des ressources supplémentaires, et pas drop, sur tous les combats qui sont faits dans le donjon. D'accord. Et du coup, bah, après, par contre, il faut que la personne qui l'a posé, ou une autre personne de l'Alliance, si elle a les droits, revienne récupérer les ressources. Et du coup, toi, tu peux, en tant que joueur, attaquer ce percepteur. Mm-hmm. Et après, tu peux faire des combats qui sont jusqu'en 5 contre 5. Et du coup, PVP, toi, tu peux venir à 5, c'est du PVP. Mais du coup, ils sont aussi 5 à pouvoir défendre. D'accord, je vois. Et si tu gagnes, tu rapportes le gros le lot. Si tu gagnes, tout ton groupe se partage les ressources du percepteur. Je vois, je vois. Et ça peut valoir le coup. Genre là, en gros, typiquement, on est 3. Si on l'attaque et qu'on gagne, on a 100 000 kamas chacun, quoi, en gros. Ça. Sauf que, bah, on gagnera jamais. Parce que... Le succès monstre, tu l'auras pas ici. On peut en faire certains des monstres correctement, mais t'auras mais... pas le succès monstre. Mais normalement, celui-là, c'est bon, je les ai tous. Ouais, on avait déjà fait ce donjon. Mais puis ensuite, j'ai trouvé une zone où il y avait les derniers qui me manquaient, donc je les ai validés. C'est quoi, bientôt, ça il y a la zone d'Halloween. Hein. Les combattants alliés ne peuvent jamais recevoir de soins provenant d'autres alliés que même. Bon, ça devrait le faire. Et faut utiliser tous ses pas. Ok. Sur Halloween, il me manque le spécial du coup. Ouais, j'ai pas le spécial non plus. Mais... Le problème, c'est qu'il manque plein de succès sur mon panda. J'ai aucun spécial sur le panda. En même temps, comme c'est venu d'un coup, genre, j'ai un peu la flemme de refaire tous les donjons. Mais... Avec le spécial, quoi. C'est un peu ça. Et j'ai pas fait l'élevage parce que l'élevage. Moi je suis en train là, je fais des volcorns, mais qu'est-ce que j'ai envie de me. Ah, mais ça rapporte hein. Ouais, par contre ça rapporte là. Ça rapporte énormément de kama, mais c'est chiant. J'en dépense aussi beaucoup hein, je peux te rassurer. Ouais, mais t'en gagnes plus que ce que tu dépenses. Oui. Mais ouais, un peu le seum là, dernièrement, genre j'ai fait 250 bébés, j'ai eu qu'une nouvelle couleur quoi. J'ai pas envie de chialer. Oh, le moi c'est surtout que les volcans, j'ai la flemme de la consanguinité. De tenir le dog de consanguinité. Ouais. Ouais, je le fais plus moi, hein. Nique sa mère. Bah ça typiquement c'est effectivement le genre de contenu d'offus que je ne ferai jamais. Oui mais... bah ça t'inquiète qu'il y a plein de joueurs qui le font pas. Tu seras juste obligé de le faire à un moment pour une quête d'un dofus, mais c'est beaucoup plus rapide que ça. Ouais. Après, et puis quelqu'un peut t'aider à le passer. Je me tenterai pas, je pense que... Peut-être faire quelques dofus, mais je me tenterai pas à faire tous les dofus, parce que ça, à mon avis... Ouais, ça mais va... c'est un dofus qui arrive très tôt, donc... Ah ouais. Mais t'inquiète, c'est quelqu'un... Enfin, en gros, avec l'élevage, suffit que quelqu'un ait des DD, il faut juste que tu fasses un accouplement et que t'en fasses naître une, et voilà. Peut-être que d'ici là, j'aurai fini les volcorns et je serai sur les DD, hein. Bon, je les ai, hein, s'il faut. Oui. Les dragonins, je les ai. De quoi accoupler, et après je peux même te donner une qui accouple en un jour ou deux. Deux. C'est 48 heures le minimum, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. À l'époque, les petits parchemins dorés là qui m'étaient bien. Bah, c'est toujours ok, non? Non, maintenant c'est des potions d'expérience pour monture. Ah ouais? Ouais. Du coup, c'est pas mal. Mais les parchemins dorés, ils sont montés de fou furieux. Je crois qu'avant ils étaient à combien avant? 9000 kama unité, non? Ouais, un truc comme ça. Là je crois qu'ils sont à 40 000 kama unité. Okay. Alors que les potions d'expérience, je crois qu'elles sont à 3000 kama unité. Ah mais ça explique pourquoi les potions sont aussi basses du coup. Ouais, c'est pour ça. Parce qu'avant les potions, t'avais qu'une seule façon de les avoir au début. Oh, ben, quand je suis sorti. Perle des profondeurs. Qui est la ressource de quête des quêtes de Sufotia. Les habits. J'avais gardé mes trucs pour prendre le familier là en faisant du coup de l'élevage parce que t'as pas le choix. Je crois. Vu que tu gagnes que 330 max et il en fallait 400 ou 500 je crois. Ouais, oui, t'es obligé de. Soit t'as plusieurs persos, soit.
même plusieurs persos, tu peux pas parce que tu peux pas. Ah, parce que tu peux pas, c'est upload quête exact. Sauf que je crois que bol familier il vaut plus rien. Mais à l'époque il valait, je crois, 7 millions niveau 1. Ah, le familier vaut rien parce que OZF, des stats qu'il donne quoi. Mm. Comment je sens hein. C'est le problème, c'est le dracopin. Mais avant, il me semble qu'il était pas mal. Hein. J'ai le souvenir qu'il coûtait cher. Je sais pas pourquoi. Bah, en fait, c'était tac retrait PA et c'était jeu pour retrait PA, mais c'est joué en FK quoi, en FK PVP, ouais, c'était ok, ça. Mais pas spend dinguerie non plus quoi. C'est spécifique à une classe principalement. Quoi ça? Le ou la combattant avec le plus petit 2 doit achever les ennemis. Ah! C'est moi qui dois tuer les ennemis! Alors comment dire? Ah si, ça va être laisse ce plaisir. Ah, tu vois? J'ai failli pas le faire. Moi je l'aurais pas fait. Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout du combat? Ça, je sais pas. Oh bah dis donc! Merci Tao pour les 100 bits. What the fuck? Ça en fait des bits. Putain, ouais. Il vient de me donner 1,30€. J'ai du mal à croire qu'un rat comme lui donne de l'argent, genre. C'est quoi ça? Les combattants alliés doivent finir leur tour en étant placés en ligne d'au moins A. Voilà. C'est pour débloquer le badge des 100 bits. Ah. C'était sûr. C'était sûr. Il a pas fait ça juste pour donner de l'argent, c'est un rat. Non, mais moi ça me va. Hein. Ça fait. Je suis sûr que pour 1,30€, je trouve une chouette carte Yu-Gi-Oh, tu sais. Donc. Bon, là, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a certaines cartes Yu-Gi-Oh qui coûtent, donc que je dois m'acheter, qui coûtent beaucoup trop cher. Enfin, d'autant plus que depuis mon truc, c'est putain de nerfait parce que ces connards de Konami ont fait une bootlist. Voilà, mais ça c'est pas grave. J'ai l'impression que tu rages un peu. Moi je rage pas du tout, mais je suis pas une putain de merde. Si je reste ici, on est d'accord, la quête je la valide. La quête, oui. La quête, oui, enfin c'est bon, eh oh, c'est bon. Hein. Oh le Rox. Il en manque un, il est où? Ah putain, ouais, j'avais pas vu. Je croyais que c'était fini aussi. Je crois que c'était il est à côté de toi. Je crois que oh, c'était putain une... Après, en soi, techniquement, faudrait que tout le monde prenne exemple sur Tao. Hein. Nous, bah oui. J'ai que ça à foutre. Oui. Eh bah oui. Je paye déjà l'abonnement, tu vas pas te plaindre. Moi je donne pas des bits, je les reçois les bits. En plus je te paye un vrai abonnement, pas un prime. Il est vrai. Et je t'en remercie. C'est la moindre des choses. J'en attendais pas moins. Oh, j'aurais dû te laisser le faire en duo. Au pire, moi je quitte, hein, si vous voulez, je l'ai déjà en duo. Pourquoi faire? Ah qui t'as pas le challenge duo. Autant en profiter. Oh merde, en fait j'ai galéré, putain, je suis un connard, je suis R. Bon, c'est pas grave. Ah non, mais attends, mais j'ai un petit compagnon. Un petit compagnon qui traîne, s'il vous plaît. Allez, je suis allé à ce truc. Donc là, faut qu'on gagne en moins de 20 tours. Oui, mais ça se fait sans souci, ça. Si on gagne pas en moins de 20 tours, je sais pas ce qu'on fait. Hein. Mm. Ah, oh, je suis en mode merde. Ah, t'as plus de portée, je pense. Bah. Pourquoi je peux pas? T'as pas un carotte ou quoi qui traîne? Mets le glyphe sur toi, sinon. Enfin, sur nous, quoi. Ah non, effectivement, je peux pas... Bon, tant pis. Ouais, non, t'as peu de portée. Parce que le Quan retire 10 de portée.
Ah oui, quand même, effectivement, 10 de portée, c'est beaucoup. Il en retire 6, ça va. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, demain, a priori, c'est le retour de Cuphead. On va trop voir rager. Ça y est, bah, elle doit être surtout très marrant, c'est que ça va être sans doute de la rage ASMR. Parce qu'au début, ça va aller. Et dès l'instant où il y a mes parents qui vont dire bah, let's go, je vais dormir. Après, il y a maman qui va dire je vais dormir. Putain, mais je n'effraie même pas de portée, ce n'est pas très très rigolo, je vous avoue. Mais ouais, dès que la maman va dire je vais me coucher, et ben Alexis, il ferme sa gueule, Alexis. Ils sont au même étage ? Ah bah oui. Si on était... En plus, je vois la maison. Si on n'était pas au même étage, ce serait tranquille, mais hélas... En plus, j'avoue, j'ai dit ils sont au même étage, mais je vois même pas où est-ce qu'ils pourraient être sinon. Enfin, un connard. Je la connais, la maison. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, bah, on peut faire l'ascension. L'ascension moins drôle. L'ascension, et encore, ça va. Depuis que le coca a été changé, c'est ok. Parce qu'avant, le coco était un enfer. Faut se TP à quoi, là? Crackler. Montagne des Crackler. Quoi, c'était vraiment chiant. Pourquoi maintenant ils ont fait une bonne modif, je trouve? Ouais, j'aime bien le fait de... Tu tues ses invoques, ça lui enlève des faiblesses. Lui faire des dopos aussi, il retire des faiblesses. Ah, je savais pas, tu vois. C'est pour ça que sur son spécial, c'est pas de dopou. Ouais. Bah, je crois que c'était parce que... Je sais même pas pourquoi. Il y a deux raisons, il y a ça, et il y a le fait que très facilement, il te pousse, donc en fait, ouais, il provoque des dopous sur les... Si tout le monde me donne 100 cash, je serai riche. RDV, Zab, Bonta. Hein? Ton poulpe, Tao, il manque la Squid 2. Hein, mais... Ah, super, il téléporte pas. Ouais, moi non plus, j'ai oublié de téléporter. Je vais. Mais moi, je suis toujours le larbin dans le groupe, donc du coup, c'est moi qui ai l'habitude de me faire téléporter. T'as les succès mobs sur le donjon? Non. Non, moi j'ai tout. Le problème, c'est que si vous a manqué un mob. Ah non, c'est bon. Non, j'ai tout. J'ai bois, quoi, caresse, j'ai tout. Parce que je suis un beau gosse. Scarafeuille, par contre, c'est les scarafeuilles. Les scarafeuilles, ça me casse les pièces. C'est les. Ah, mais non, il me reste que la flamèche eau et la flamèche terre à faire. Le scara noir, ça va. Ça va. La merde. Attends, mais t'étais là? Ouais. Oui, j'étais là. J'ai lancé comme un con. Putain, main propre, s'il te plaît. Bon, cet étage-là, je vous laisse faire. Hein. Tu veux pas taper, t'es sûr? Non. Ça me sert tellement à rien d'avoir tout ce PA, putain. Il a fait de la diagonale, super. Super, merci. Super. J'ai pas envie. Il fait comment pour farmer ses verres là et pour pouvoir aller chercher sa famille des couacs? J'ai envie de mettre les familiers qui te suivent pas correctement là. Comment ça? Il y a 2-3 familiers qui te suivent pas correctement dans le jeu. Je connais même pas. Le bleu à lac, par exemple, te suit pas correctement de mémoire. Je connais même pas. Je te montre après. Quand on sort du donjon, je te montre. Comme ça, tu verras le pourquoi il suit pas correctement. Il est fat. Non, il... Genre, il est pas collé à toi. Ah, ok. Comme il devrait être. En ligne... Les combattants aliens ne doivent jamais finir leur tour en étant... Oh, ça c'est ok, infaisable. Oui, c'est infaisable, pas, pas pris. Hein. C'est quoi le truc, si on doit finir en ligne? Ouais. Ouais, en ligne d'un alien. À la file indienne.
Wow. Et eh ben c'est galère de d'XP hein, quand t'as pas de booster. Putain, c'est long. Non, en vrai c'est long là parce que les quêtes c'est pas les plus optis. Les plus optis. Il te manque de l'opti, mais c'est de l'opti un peu relou à faire. Oh ouais, c'est de l'opti qui casse les pieds, oui. Non, mais normalement il faut faire les quêtes d'alignement en même temps. Je sais pas ce que c'est. Bah, tu vois les zones Montarwakma. Ouais. Tu vois l'époque où on avait des ailes. Ah oui, ange ou démon quoi. Voilà, c'est exactement ça. Bah, t'as. En fait, lié à ces alignements là, t'as 100 quêtes à faire. Oh, let's go, l'artefact. 100 ! 100. Et 100, pas des quêtes super cool à faire. Hein. Oh, ça va, les 80 premières, c'est ok. Bah, moi en fait, c'est juste les quêtes où il faut. De perso, j'aime pas ça, genre. Ouais, mais sur Monta, t'en as pas trop. Ouais, bah ouais, mais moi j'ai j'ai fait full break. Et bah après, ah, j'ai choisi un mauvais camp, quoi. C'est quoi le plus simple à réaliser en vrai? Monta. Ouais, ok, bah, j'irai à Monta. Parce qu'en plus, moi je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de riche, je suis quelqu'un d'européen, donc je vais aller chez Monta. Hein. Non mais c'est... En fait les ailes sont plus jolies Brakmar mais... Ça va, c'est des ailes de démon, c'est bon, si j'ai envie d'être edgy, j'irai m'acheter un cosplay à Japan Expo comme tout le monde et puis merde. Sasuke. Voilà, exactement. Oh, merde. Et rappelons-le, Sasuke et Naruto n'ont jamais été amis, voilà. Ah non, ils sont en couple, non? Super, ça fait une nomade. Ouais, bravo, franchement. Oh, c'est bon, alors autant je peux recevoir une critique de Bristo, autant Pierre. Je comprends pas. Non, mais... Bon, ça va, à la fin de Naruto, ils sont... Pourquoi c'est qu'ils sont potes? Oui. À la toute fin. Oui, ça sort de nulle part. Par contre, Sasuke est le pire père du monde, mais ça, c'est autre chose. Oui. Lui au moins était présent, alors que le mien non. Revenons à Naruto, s'il te plaît. C'est une blague, ouais. Évidemment. Après, j'ai entendu Sasuke présent. Bah, il était une fois là, quoi, c'est pas mal. J'ai connu plus présent comme daron, quoi. Et pourtant, j'ai pas le daron le plus présent. Oh la zone. Oui. Ça me manque sur les Nutrophes, il n'y a pas beaucoup de sortes de zones. Non, ça. Moi, c'est la mise à jour du Panda Air. Je suis mitigé depuis qu'il y a la mage du Panda. Donc, il y a un an et demi, deux ans maintenant. Ah, bah, je crois que j'ai joué après la mage, moi. Donc. Moi, ça m'allait le Panda Air. Ah, pendant un moment, ils ont tué le Panda Air. Hein. Ah, ouais. Bon, en fait, le Panda Air faisait très mal. Mais. Il y avait un souci, c'est que je vais plus avoir le nom du sort, mais ah, attendez, parce le sort R qui te permet de reculer de deux cases. Ah oui. J'ai clairement pas assez de vie là. Permet de reculer de deux cases. Y a pas un monde, y a pas un moyen de régénérer les points de vie plus rapidement là. Du pain. Du pain. J'ai pas les bons consommables à te confier. Non, là j'ai rien non plus. J'ai de la soupe. Ah, si tu veux, j'ai des moumoules frites. Ah, mais attendez, attends, moi aussi. En plus, ça te donne de l'énergie. Le clic droit, utiliser. J'ai tout donné à Bristo. Je suis vraiment une merde. En plus, ça m'a donné l'énergie donc. Je sais pas, moi je suis toujours au. Hop, c'est bon. Moi je me heal qu'avec ça. Ouais. J'ai jamais utilisé ça, je sais même pas comment on les a. On les craft. J'avoue. Et en fait, après, ça devient ça. Ouais, ça devient. Et je revends celle-ci. Parce qu'elle vaut plus cher que la première. J'avoue, c'est une singerie, ça. Bon. Et tu peux acheter la première, ne mettre que la première dans ton inventaire, donc c'est chiant parce que tu dois cliquer dessus, par contre. Mm. Mais du coup, tu revends celle que t'as juste après, et tu les utilises jamais. Le petit œuf de. Du coup, t'as de la bouffe gratuite. Petit œuf de Pokémon là.
Par contre, c'est du consommable qui est pas utilisable en combat. Donc tu peux pas l'utiliser au début du combat. Faut l'utiliser toujours avant. C'est un consommable qui est un peu... Boum, 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 boum. Vous voulez que je vous laisse faire duo aussi, du coup, dessus? Bah, ça dépend. Il lui manque quoi, dessus? Je crois qu'il manque un peu tout, parce qu'on avait... on pouvait pas faire main propre. Le spécial, on l'avait loupé, et l'autre, comment vous pouviez pas faire main propre, qui jouait FK? Mais j'ai pas encore son sort de... J'ai pas d'arme, moi. Glyph. Ah oui, j'avais pas de glyph. Yeah. Bah, montre-moi les succès que t'as sur quoi, et puis on voit. Ah, parce qu'en vrai, moi aussi, du coup, je crois que j'ai pas de succès chaud. C'est où ça? Donjon 1,50. On a même pas fait zombie. Tu peux masquer les succès déverrouillés, ça va plus vite. On a rien fait, en fait. On a juste passé le donjon normal. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est où? Ah, il est là. Ouais, on a rien fait. Zombie main propre. Faut qu'on fasse un choix entre main propre et spécial. Putain, je suis en train de me dire, mais. Tournesol. Le mieux, c'est de pas faire les spéciales. Tournesol, Bob l'éponge, je l'ai pas fait en duo. Et tout ça, c'est des trucs que tu vas pouvoir refaire en duo facilement. Ouais. Même Bouffe Royal Blitzkrieg, en vrai, maintenant tu le fais. Ok. En fait, le problème du spécial, c'est. Il y a un couac de glace. Ah, si, on peut le tuer avec Chaffer. Donc, si, c'est faisable. Comment ça, le bloc de glace, on peut pas. Je comprends pas. Ah, oui, ok, oui. Oui, pour main propre. C'est, oui. Vrai. C'est quoi déjà les challenges ici? Alors, on va faire main propre et zombie. Zombie, tu n'utilises qu'un PM par tour. Et main propre, bah. Tu le sais, hein, c'est. Faut qu'il. Invocation, piège, glyphe pour tuer ou poison. Ok. Fonctionne aussi. À la limite, vous me dites quand est-ce que je pose mon glyphe d'eau alors. T'inquiète, ça se pense aussi. Doucement sur tes arrivées. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Là, mais en silencieux, peut-être. Ok. Mais fallait venir directement, hein, t'aurais perdu moins de temps. Hein. Confortablement. Alors attends, je me déplace de 1. Faudrait que déjà j'ai. Oh, je pense qu'en vrai je me TP. Vaut mieux que tu mettes ta glyph avant de te TP. Mais le truc c'est qu'en fait faudrait que je la mette de sorte que le quad terre se fasse taper aussi. Mm. Donc faudrait peut-être que je me TP un peu. Ouais, je vais me TP là. En fait, si tu te TP dans ta glyph, ça fait activer ta glyph. C'est pour ça que ça peut être bien. Ah, okay. T'attends un peu, t'attends un tour. Ouais. Dans ce cas-là, je vais faire un ici. Je peux même faire un plus. Ouais, tu les mets, on va les mettre low et avec ta glyph, on fera une voilà. Zone. Et puis... On va faire ça comme ça. Alors là, Bristo, il va commencer le couac de glace. Et le couac de glace, va falloir qu'on tue avec un chauffeur. Mais j'ai un autre glyph. J'ai un glyph devant. Ouais, tu pourras le mettre. Il fera juste pas beaucoup de dégâts, quoi. Oui, c'est ça. Il fera zéro dégâts, mais je peux quand même le mettre. Ok, 69, 185, est-ce que je peux le taper un peu lui? Si je crit, c'est la merde. Tu peux, je pense, le vert, tu peux lui peut-être lui faire une attaque. Le problème, c'est que si je crit sur mon attaque, je le tue. Ah! Un peu la flemme de tester en fait. Et si je fais une autre attaque. Bah, au pire, de toute façon, là, je poserai mon glyph et je me TP dans mon glyph, donc comme ça, en fait, ça fera. Ça devrait le faire. Ouais, ça le fait large. J'ai foiré prudence, c'est dommage. Oui, normalement, tu mets le glyph, tu te TP dedans. Alors, attends. On va le foutre là. Mmh. Voilà. Faut que t'aies les...
Et jure, juste me TP dans le glyph, ça l'activera, on est d'accord? Ouais. On va se foutre... Normalement, de souvenir. Ici, là, Quentin, vite. Ouais, TP-toi à côté de moi, c'est bon. Désolé, j'étais mute. Ça n'a pas marché, sinon. Ok. Si, si, mais c'était... En fait, mon objectif, c'était d'éviter qu'il pousse des mobs dedans. Ok, donc lui, il faudra que je me pose mon glyphe de vent. Et... Il meurt peut-être. Il meurt. Problème 14 HP, non, il meurt. Il n'est pas décalé de 1. Ouais, j'ai peur, je me décale l'air, toi. Parce que... Oh, tu vas prendre des dopes ou deux cons. Ah bah! Ah oui, il s'est fait tuer par le glyphe. Oui, début de tour. Ah mais... Bah pourquoi il s'est fait tuer si c'est un truc de haut? Il était pas censé recevoir les dégâts. Parce qu'il avait 75% de res, pas 100%. Ah. Baptiste, for what? Tu décales, fais ton PM pour être sûr déjà de pas le fail. Et après voilà. Alors j'ai, par contre j'ai pas bien compris comment ça fonctionne mon glyph, comment ça se fait que... J'ai pas... Qu'est-ce qui provoque le fait que ça fasse des dégâts aux ennemis quand je me TP dedans? C'est juste une mécanique du glyph. Donc en... Mais que quand on se TP dans un glyph, ça fait des dégâts aux ennemis dans le glyph, c'est ça? C'est ça. D'accord. Je vais pas le taper là. Ah mais c'est vrai que j'ai Mon... tu peux taper animé, haut. Hein. Après il a 40%. J'ai mon coffre animé moi. T'as le coffre animé, ouais. Tu peux invoquer coffre et taper coffre. Mais est-ce que le coffre il va jusqu'à là-bas? Je l'ai jamais Black joué. Cell. Ah non, c'est bon. Là il va assez loin. T'as juste à le taper. Ok. Puis tu gagnes un petit PM à la fin et puis. Alors lui retirer des PA, c'est pas la meilleure idée que t'aies eue. Ah merde. Je pensais pas que ça allait lui retirer des PA. Ouais, c'est pas grave. Ok, si t'as un glyph, tu mets n'importe quel glyph, mais faut pas que tu le tues avec ton... une attaque directe. Ah putain, j'ai un glyph devant. Mets le glyph devant. Ok. Et ton sort haut, il tuait pas normalement. Même en crit, il tuait pas. C'est possible. Quoi, la bulle? Oui. Nimbus. Nimbus, et je tape sur la case à côté. Ouais, ça. Putain. Du beau jeu. Waouh. Ouais, je suis niveau 73, je suis le meilleur joueur. Attends quoi? Et voilà, c'est bon. Ça c'est fini. Du coup, il ne me reste plus que le truc de l'île de Moon, mais l'île de Moon, bah, j'y suis pas encore allé, donc ça peut attendre. Ouais, ils te le demanderont dans le tour du monde de toute façon de le faire. La cite royale, bah, de toute façon, j'ai cru comprendre que c'était des gens à les voir. Là, on n'est pas assez nombreux, ça fait chier. Ça, c'est chiant. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est, je crois, aller voir des gens. L'île de Moon. Non, c'est découvrir des cartes. Ok. Ah, si, tiens. De pieds longs. Ça, à la limite. Voilà, la foire au gob, c'est long. Bon, non, ça va. Ouais. Bah, faut ouvrir d'office pour les noobs sur le côté, quoi. Ouais. Ah, bah, parce que pourquoi? C'est pas juste taper les mecs là et c'est fini? Ah non, non, non. Ah bon? Ouais, non, il va te falloir des ressources spéciales. Ouais, la power gob, faut des ressources. Eh ben, allez, hop, non. Il faut des interactions particulières. Ça je le ferai tout seul. Ans, ça, j'irai voir. Non, la quête des 20 ans, elle est bien pire. Avec les gobelins, là, oh là là.
Ok, donc ça, je ferai tout ça. Non, la quête des 20 ans est bien, bien pire. Ouais, ouais. C'est quoi ça? Crosmos, découvrir la carte number entry cross. Ça, tu t'en fiches. Pareil, tu vas la faire d'un coup en allant faire un donjon dans le tour du monde. Ok. Ramener une pomme. D'accord. Délivrer Barnabé. Non, ah oui, qu'est-ce que... Il y a ça là, ce truc de coup. Barnabé dans l'espace. Ouais. Ah oui. Ça, j'ai une Stratodowin. Non mais ça, faudrait que je regarde la solution parce que j'ai vu les... J'ai pas du tout compris comment ça marche et j'ai dit d'accord. Il y a une solution vraiment auto-win. Ah ça, alors ça, j'ai dit flemme de fou. J'ai... Genre je me suis retrouvé dans le truc des développeurs. J'ai vu qu'il y avait un milliard. Non. Ça, j'ai dit flemme. Fais le pas, c'est... de manière c'est fini demain en fait. Ah bah super, tant mieux. Ah non, après-demain. Ensuite j'ai non, quoi demain, j'ai Free Ghost, Donjon des larves, ça on le fera. Bon, lundi donc demain, ouais. Entrer dans la caverne cachée, ouais, mais ça c'est pour plus tard. Chaque chose en son temps, frontez ces créatures. Ça pareil, ouais, du coup, ça c'est taper des trucs dans une anomalie, mais j'ai pas le level. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'XP trop vite sur ce perso en x4. Il y a trop de monde, voilà. Ouais, je me tape les Doppel aussi. Les Doppel, c'est pas mal, j'aime bien. Doppel, ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais du coup, il y en a plein que je peux pas faire parce qu'ils sont très très loin. Mais. Il y a des téléporteurs pour les. Il y a des téléporteurs pour y aller en général. Tous même d'ailleurs. Oui. T'as un bateau pour Uginak, t'as le téléporteur pour Heliotrope, t'as le téléporteur pour Uppermage. Roublard. Roublard, t'as deux endroits pour y aller. Ouais, Astrub. Astrub et Amakna. D'ailleurs, c'est bien pratique ce petit passage quand t'as envie d'aller choper le zap du village d'Amakna. Pourquoi tu veux faire vieil insecte? Non, c'est que j'ai juste, faut que je parle à quelqu'un. Il faut que tu parles au boss. Il faut que tu parles au boss, exact. Si, si. Oh. Le donjon est rapide, tu nous TP, on te le fait. Comment on fait? Si tu veux, je connecte mon cra et. Alors, avec un cra, ça se fait en 2-2. Attends 2 secondes. Ah, bon. On va le faire avec le Yop, hein, ça va. Au pire, vous pouvez pas prendre un perso au level et comme ça. Oh, hein. J'ai pas de clé. T'as pas de clé. Ah bah alors attends. En fait, c'est que du coup, je les ai refait en solo pour faire les duos. Faut que j'avais fait avec je sais plus qui. Est-ce que j'ai un truc important ensemble? Cra. J'arrive. Je crois que j'ai plus de baguette et Kiki, j'ai tout donné. Tu veux la reprendre? Non, tranquille. Et je pense que j'ai pas mal de petits trucs à vendre après. Premier degré, j'ai pas le stuff tout crit en tête. Je crois que j'ai trop d'items pour le cra. Non, c'est bon. Non, j'ai 15 000 potes sur le cra, j'abuse. Oh, les musiques de Dragon Quest. Mmh. Oui. Ah, mais c'est très grave par contre. M'as-tu dit Charo? En vrai, moi je pense que je vais vous laisser là. Bah, en vrai, dans ce cas-là, ouais, peut-être que je le ferai plus tard ce donjon-là. Ouais, bah, on le fait en 2 minutes, hein, chrono. T'es sûr? Oui. S'il ramène le cra. Ah, mais invite-moi juste groupe. Voilà. Attends, tu peux me TP toi ou pas? Ou t'y étais pas déjà? 4 minutes. Putain. J'ai pas de Kama sur moi, j'ai envie de crever. Attends, je sors, je vais te filer. Bah, le problème c'est que je suis village éleveur.
Ah ouais, je l'ai pas. T'as pas de cama dans ton havre sac? Bah non, tu peux pas y aller, je pense. Non, j'ai rien. Parce que c'est quoi le truc? C'est pourquoi tu peux pas venir? Parce que j'ai pas de cama sur moi, parce que je suis un putain de troller, voilà. Ah. J'ai toujours gardé un petit peu de cama, histoire de pouvoir prendre un zap. Si je fais téléporter les membres du groupe, c'est bon, non? Il y en a pour 3 minutes, je pense. Ah oui. Je pense que je suis même plus rapide à venir à pied, dans ce cas-là. Ça vous dérange pas moi si je décale du coup? Bah, s'il a son perso qui va overkill absolument tout le donjon, non, si tu dois. Si, ouais, c'est vrai qu'en plus toi tu travailles demain, donc vas-y. En plus ça te fera ton duo, moi je l'ai déjà le duo sur celui-ci. Et bah voilà, parfait. Ouais. Le travail, je connais plus hein. Pour l'instant, moi non plus. Et ça commence un peu à me faire culpabiliser. Ah ouais? Ouais, ça y est, là je suis arrivé à un stade où je commence à culpabiliser de ne pas travailler. J'arrive pas à me profiter de mon repos. Mais en vrai, ouais, j'avance petit à petit. Par contre, qu'est-ce que c'est un. Je regarderai à la limite pour effectivement XP plus vite, mais au moins. Ah, mais je te donnerai une route avec des trucs à faire, t'inquiète. Je t'enverrai un message. Oh, d'ailleurs, avec un truc à suivre. J'avais pas vu, j'avais pris une bergerie. Bon. Et bah écoute, salut hein. Allez, vas-y, des bisous, à la prochaine. Mais non, je suis con, bergerie. Ouais, Alexis, je te filerai de quoi suivre un peu, que ça soit moins chiant, parce que les gobelins n'est pas la meilleure zone pour s'amuser. Non, mais c'est qu'en fait, j'aime bien, tu sais, quand je découvre une zone, faire un peu toutes les quêtes, histoire d'eux. Mais là, j'avoue que je commence à me dire, putain, mais j'avance pas. Oui, c'est pour ça, je vais donner des... En fait, c'est surtout c'est ça. Quand je vois tous les autres, mais en même temps, ils ont un booster XP, ils sont déjà niveau 90-100. En fait, ils sont x4, et vu que tu les attends pour faire les tours du monde. Bah, eux. Va te bloquer petit à petit. Eux m'attendent aussi, hein, ils avancent pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, du coup, toi, tu bloques énormément ta progression. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que le plus gros gain d'XP, il est quand même sur le tour du monde et 2-3 autres quêtes, mais. Par exemple, toi, tout à l'heure, je te parlais des quêtes d'alignement. C'est un combo de quêtes à faire trop bien si tu fais avec ton tour du monde et que tu fais tout dans l'ordre et que tu le fais en même temps. C'est une suite de quêtes qui est en général faite trop tard. Et pourquoi on trouve que c'est une purge? Parce que tu te retrouves à faire 100 quêtes d'affilée en fait. Normalement, je suis déjà dans tes amis, c'est le même compte. Ouais, mais on sait jamais. Mais du coup, ouais, le problème, c'est que les gens se tapent 100 quêtes d'affilée. Ouais, je vois. Par contre, 100 quêtes d'affilée, c'est pas drôle. Ah bah là, j'avoue que... Est-ce que tu peux te TP ou pas? Ouais. Êtes-vous sûr de vouloir téléporter les membres du groupe ici? Bah, c'est vrai. Tu peux rentrer, du coup. J'ai pas joué mon crâne depuis 15 ans, ça va être terrible. Ouais, non, tu vas tous les défoncer, ça va être très bien. Bah, il y a eu des changements, je sais pas. Cra- prêt, hein. C'est... Je peux pas. Oh putain, c'est bugué, je vais péter les plombs. Ah, voilà. C'est bugué, ça va me faire péter les plombs. Oh merci, ça va aller tellement plus vite. Passe-toi. Ah, ça va très très vite, j'aime beaucoup. Oh
Oh, c'est pas le but normalement, mais... Ouais, mais là, moi, ça me va. Moi, limite, je préfère ça pour le coup. Pour ce genre de quête comme ça, là, moi, je suis en mode, vas-y, c'est bon. Bah, surtout que là, c'est juste un fail. T'as déjà récupéré les mottes ici ou pas? Ça dépend, elle est où? Où tu mets en braguette, Rikiki. Tu cliques dans le château de cartes, mais genre assez loin dans le logo en Kama. Château de cartes, assez loin. Tu vois la tente de cartes, là? Ouais. Bah, tu peux cliquer dedans, en fait, sur le logo en Kama au milieu, quasiment. Oh, putain! Et tu cliques sur la fraise. Voilà, t'as obtenu une mat. Oh, incroyable! Tu peux retirer la baguette, ouais. Ouais. Voilà, c'est des petits trucs cachés. C'est gentil. Je n'utilise pas les émotes, mais c'est gentil, merci. Bah. C'est rigolo. Bon, c'est rigolo. On va les avoir. Ouais, voilà, c'est ça. Plus rien. Ah, là, le boss. Ok, faut être en ligne de rien. Ouais, ok. Je peux pas ce tour. Hein. Ok, donc là tu fais gaffe sur tes dialogues. Alors. L'interroge à propos de la croquette. Ouais. Après tu fais menacer de nettoyer. Sinon tu rentres en combat avec lui. Et après tu réponds. Quand t'as qu'un seul dialogue, tu fais en fait. Ok, maintenant tu passes avec la baguette Rikiki. Ouais. Sur la croquette. Elle est où la croquette? Ah là. Sur la gauche. Examiner. Ok. Et en gros, et là maintenant je peux. Ah là. Tu parles au boss, tu peux quitter. Et après tu peux parler à Kirubim du coup. Incroyable, putain, merci. Putain, j'ai pas d'ensemble à poil, j'ai trop la haine. Bon, je finirai putain. Quoique. Oui, bien sûr. Attends, c'est. Y'a pas grand chose à faire, hein. C'est aller à l'épicerie et faire un combat à l'épicerie. Oh, attends, vite fait alors. Mais le combat risque d'être tendu vu que toi t'as plus le stuff de ton niveau, on va dire. T'as pas le stuff le plus adapté. Oh, attends. On va dire qu'il te manque des HP en fait. Je vais voir ça. Bonne nuit, Raph, et bisous. Je fais ça vite fait, ensuite je vais me coucher, parce que j'avoue que même si je fais pas grand chose. Je commence un peu à fatiguer. Non mais je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que là, ouais, non, je prends pas trop de plaisir à ne pas travailler. En fait, moi je suis dubitatif, c'est-à-dire que j'aime bien ne pas travailler dans le sens où ça fait 2 ans que je travaille. Oui mais c'est voilà, c'est ça. Comme 3, parce que moi j'ai fait que de l'alternance. Mes 3 dernières années d'études. Moi j'ai fait que travailler pendant 3 ans. Avec des rythmes compliqués. Même mentalement, tu vois, c'est pas ce qui est le plus simple. Réessaye, ouais. Réessaye, ça veut juste bugger. Mais je peux comprendre tout à fait. C'est normal quand t'as fait un peu. Et je comprends, en plus, tu vis chez tes parents, du coup, c'est un peu. Pas facile toujours. De se dire, t'es là-bas, tu travailles pas et tout. Oui, c'est. Oula, moi, je culpabilise pas trop parce que c'est la première fois que je travaille pas, quoi. Oui, c'est voilà, c'est ça. Oh, flemme. À niveau 80, ah oui. Ouais, c'est une quête qui est adaptative. Et du coup, tu risques d'être un peu juste en HP. Là, l'idée, c'est glyph TP dedans. Ah, dommage. Si, je peux me TP, hein. Ouais, glyph, tu TP out, mais tu TP dedans. Ouais, exactement cette case-là. Et tu continues à courir. Oh putain, ça heal. Ça heal sa grand-mère.
Tape de loin. Ah d'accord, en plus... Oh. Alors faut pas taper le... Lui c'est le mob à faire en dernier en fait, dans l'idée. Oh. C'est pour ça que j'ai dit le combat est un peu juste parce que t'as pas de... De forge magie sur tes items qui te permettent d'avoir plus de vitalité que la vitalité classique sur l'item. Oh, je sens que je ne vais pas apprécier du tout. Alors, le combat se fait, hein, mais même avec ton stuff, il se fait, mais... Faut de la patience, quoi. Je sais pas si tu l'auras ce soir. Ouais. Oui. Il y a de fortes chances que... Ah, mais c'est normal. Tu peux pas toujours l'avoir. Attends, quoique... Bon, je pense que je l'ai pas, mais en vrai... Fait mal, hein. Ah, mais il craint beaucoup l'eau. Ouais, non, je suis mort. Ouais, j'aurais dû me taper lui. Ouais, non, j'ai perdu. Bon, tant pis, hein. Ouais, mais en plus, elle heal. Wouah! Ouais, non, j'ai perdu, tant pis. Oh, ouais, j'ai clairement perdu, tant pis. Je pense que t'aurais dû glyph à la fin, tu l'aurais tué lui. Ouais, mais en fait, c'est que je voulais faire glyph. Glyph fait plus mal. Ouais, mais en fait, je voulais aussi me TP dans le glyph et en fait, mes sorts n'étaient pas synchro. Du coup, je pouvais pas faire glyph. Non, mais fallait juste faire bulle, glyph. Et ton glyph fait plus mal que ta bulle. Ouais, donc, tu l'aurais tué. Ouais, c'est pas faux. Mais de toute façon, l'autre. T'aurais resté le chat, mais. Ouais, l'autre m'aurait tué. Bon, tant pis. Tu manques, t'as pas de régène. Donc, mais le combat est faisable, hein, même dans cette situation. Avec les bons focus au départ et tout, il est faisable. Mais en tout cas, moi, je vais m'arrêter. Ah, bah, c'était chouette. J'ai pu avancer un petit peu. C'est cool. Et puis, moi, de toute façon, bah, je vais te laisser là. Moi, je restream demain soir. Et ce sera du Cuphead, normalement. C'est bien, Cuphead, ouais. Ça change. Bah ouais, mais disons qu'on galère beaucoup. Et surtout, je le rage pas mal. Mais bon, en vrai, le jeu... En vrai, j'ai pu voir un peu. J'aime beaucoup le jeu. Là, c'est rigolo. Ce qu'il va pas falloir que j'apprenne à maîtriser. Donc ça va être une grande épreuve. Mais a priori, ça devrait le faire pour moi. Et mercredi, je me ferai un petit live Kingdom Hearts. Et ensuite, je suis pas là le reste de la semaine. Puisque je vais à Tours. Donc, attends, attends un petit peu. Ouais, je vais rendre visite à des gens, histoire d'eux, on se fait la bise. Parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus et il manque beaucoup. Il y en a notamment une quand même. Et moi, vous tournez vers toi ? Honnêtement, ils vivraient tout, ouais. Ouais. Okay. Ils vivent, travailler là-bas, ça me ferait kiffer. Mais disons que là, je peux comprendre qu'en vrai, c'est plus intéressant à Chartres. Bah parce que les sous quoi. Non mais si jamais je le peux me permettre ça parce que j'ai assez économisé et que je peux faire ma petite vie à Tours, en vrai, moi je dis pas non. Hein. J'aime beaucoup cette ville, j'ai mes petits repères, j'aime bien le cadre, j'adore la Touraine maintenant parce que c'est quand même ma région de cœur. Et puis je trouve qu'on peut aller un peu partout à partir de cette ville. Donc c'est chouette, elle est chouette. Bon, et bah écoute, des bisous, moi je vais te laisser là. Yep. À une prochaine fois. Bonne semaine à toi. Bah, toi aussi. Je t'envoie juste en message privé ce que tu peux faire. Mmh. Ouais, carrément. Comme ça, t'as une route un peu plus simple à suivre. Carrément, un carrément. Peu plus aussi guidé et qui suit un peu plus de ta progression, donc c'est plus agréable. Mmh. Bah, incroyable. Impeccable. Voilà. On va faire comme ça et je vais essayer de faire ça dans mon coin. Pas de soucis. Bon, et bah, allez, des bisous. Salut, à la prochaine. Des bisous, à plus. Et je vais vous laisser là, mesdames et messieurs. On se retrouve demain soir. Pour Cuphead, des bisous. Au revoir.